Oh mon dieu, que je n'ai pas hâte de faire ce jeu. Même si j'adore. Oh. What? Oui, bon, on va dégager, de toute façon, on va recommencer une partie depuis le début. Alors attendez, les amis, je vais faire un truc avant. Je vais couper l'image de seconde. Je reviens de suite, hein. Je suis là, je vais juste faire un truc. Attendez, je vais regarder un truc, attendez. Je vais remettre la caméra, hein, n'inquiétez pas. Alors attendez, hop, on va enlever ça. Hop, je vais mettre la caméra, mais juste attendez avant, je vais un truc. Ok, est-ce que j'entends le son du jeu? Est-ce que j'entends le son du jeu? Je sais pas si j'entends bien le son du jeu, je vais régler ça. Je remets ma caméra. Et re, tous, le Don Alex. C'est correct, c'est fun d'avoir un avis sur toutes sortes. Ah, je l'ai pas lu. On parlait d'Assassin's Creed. Alors, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez le son du jeu? Est-ce que tout est ok avant que je puisse commencer le live sur ce jeu? On entend le son du jeu, mais le cerf est trop fort. Il baisse le cerf. Est-ce que c'est bon pour le cerf? J'ai monté le son du jeu. Ok, j'ai monté le son du jeu et baissé le cerf. Alors dites-moi, regardez, hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est bien varié? Je dois me le dire. Est-ce que c'est bon, le James? Tout est bon. J'attends votre retour pour être sûr que je puisse régler le son dès le début. Allez, on va passer sur Bloodborne. Pour ceux qui connaissent pas ce jeu, je vais vous faire un petit résumé après. Le cerf c'est bon, mais j'entends pas le jeu car il n'y a pas vraiment de musique dans le jeu là. Ah ok, d'accord. Donc on va attendre un petit peu. Alors, les amis, on va faire un truc. À chaque fois que je vais mourir, je veux que vous comptiez une mort.
Bloodborne est un jeu de la même catégorie que Dark Souls, Shadow Die Twice et Nioh, voilà. C'est un jeu où quand tu meurs, tu reparais très loin en arrière, tu dois... Enfin voilà, c'est un jeu où il faut varier les sauvegardes, etc. C'est un jeu avec la difficulté très dure. Donc, c'est un peu un Den in Retry en gros ce jeu. J'adore ce jeu parce que je l'avais déjà fait il y a longtemps, et là on va le refaire en live, on va le faire depuis le début. Donc c'est dire le nom, on va mettre Alex MCN hein, évidemment. Ou même Don Alex, vous savez quoi, on va mettre Don Alex. On va renommer ça en Don Alex. Le Don Alex. Parta l'aventura. Va partir à l'aventure pour aller affronter tous ces monstres. Ah la merguez partie, incroyable. On entend quand tu bouges le curseur. Ah on entend le souhait, on entend le son du jeu. Je comprends très bien, on commence très tard pour vous, on trouve ça extrêmement cool que vous passiez sur la chaîne, on se sent choyé. Ah c'est vrai que moi en ce moment plus aux heures où vous streamez, moi je suis soit en train de dormir ou à moitié en train de m'endormir. Faudrait que je trouve. Faudrait que je prenne le temps de passer aussi. C'est vrai que j'ai pas tout le temps de passer chez tout le monde en ce moment, c'est vrai. Sans trop faire de oui bah oui. Arrive normal la nuit, faudrait que je suis passé, c'est la semaine dernière, il y avait la nuit Old Axe. Ouais, bah moi aussi je passe. J'essaie de passer quand je peux. Quand je suis sur le PC et que je vois qu'il y a Jaco ou Old Axe est là, je mets mon lurk. Des fois j'en fais un coucou quand je suis pas bien réveillé. Mais vu qu'en ce moment j'essaie vraiment de reprendre un rythme régulier depuis la fin du confinement, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Bon, dimanche limite, je peux, mais le dimanche c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de live le dimanche. Alors je vais te donner Alex, les amis. Hop. Alors je suis un homme. Je suis jeune. Je suis timide. Dernier survivant, enfant perturbé, passé violent, professionnel, vétéran de guerre. Ah, attendez, oui, par rapport aux échos de sang et tout. Ouh, intéressant. Faut que je monte ma force en premier. Ma force. Vétéran de guerre, ça peut le faire. Vétéran de guerre, ça peut le faire. Non, bah, c'est quoi, vous, vétéran de guerre, ça passe ou pas? Allez, vous savez quoi? Regardez. On est beaucoup ou pas? Je sais pas si on est beaucoup. Mais je vais faire ça. Je vais faire un. Alors. Regardez ça. Hop. On va attendre un petit peu. Hop. Hop. Regardez bien, vous allez voir. Il va se passer quelque chose sur le live dans pas longtemps. Vous allez pas comprendre. Hop. 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 Il n'y a que Demsac si c'est ce que je fais, parce qu'il me connaît, Demsac, maintenant il sait ce que je suis en train de faire. Hop. Hop, allez. Hop. Je fais ça comme ça. Hop. Ah, c'est bisous. On a eu le refus du partenariat. Ah non. Mais ça nous motive encore à travailler plus fort. Ça demande, on a tellement une belle réponse et de support. On reçoit que du love. On peut demander mieux. Désolé pour le pavé Alex. Mais non, c'est normal, pas de soucis. Vous ne vous excusez pas qu'on fait un pavé, les amis. Vraiment. Vous savez, moi je le lis toujours, les pavés. Hein. Là en plus, je suis pas en plein jeu ou quoi. Puis même si je suis en plein jeu, le pavé, je vais lire à un moment donné. Donc vous pouvez mettre des pavés. Y'a aucun M. Donc n'hésitez pas, j'ai mis un petit point d'exclamation Paul, j'ai mis un Paul. Si vous voulez voter, n'hésitez pas les amis, vraiment. Vous pouvez voter ce que vous voulez. Comme ça moi je voudrais savoir ce que je vais mettre. Donc quand je dis autre, ça veut dire que je vais choisir entre un des autres au hasard. Je vais prendre au hasard. Je vais prendre au hasard un des autres. Vous pouvez voter hein, pour le sondage en cours en haut. Hein. Sinon, si vous n'avez pas de vote, je vais mettre. Je vais mettre ça. Vétéran de guerre. Ouais, bah c'est, oui, je suis d'accord, j'aime ça. C'est, pour pas dire, c'est dommage, mais c'est une partie remise. Comme on dit. On a peut-être que ça a été refusé. Mais je suis sûr que quand c'est refusé, qu'on lâche pas prise. On aura à un moment ce qu'on veut, ce qu'on mérite. Genre, par exemple, le permis. Quand tu loupes ton permis, et que tu veux repasser ton permis, et la deuxième fois, tu peux l'avoir, si tu, parce que tu seras un petit peu plus...
Tu sais un peu plus quoi viser pour l'avoir, ce qui a pas été, etc. Ben, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que là, il y a eu peut-être quelques petits trucs pour Twitch qui n'étaient pas encore au point. Même si c'est. Je vois pas pourquoi. Bon, Twitch, ça reste Twitch. Je peux pas critiquer Twitch sur Twitch. Mais pour moi. Ok, pour l'instant, ça va sur le dernier survivant. Ok. Je pense que la prochaine fois, ce sera la bonne. Parce que. Enfin, j'espère. Je ne peux pas m'avancer, mais. Comme je dis, on peut avoir soupé une fois, mais la deuxième fois peut être la meilleure. Et franchement, je pense que ça ira peut-être mieux la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, les gens seront plus préparés en plus. Et peut-être qu'ils seront plus. En place, ça, merci. Voilà, c'est à peu près ça, je pense, Jaco. Et c'est pour ça que moi, si vraiment, par exemple, moi, même si c'est qu'une vue quoi, j'ai pas pu autant soutenir que la plupart, ils ont été chez Jaco et Oldax, dans la petite équipe, les soutenir. J'ai pas été autant présent. J'ai pu être là pour plusieurs lives, mais pas tous les lives, ça c'est sûr. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien voulu donner mon soutien, mais je pouvais pas parce que. On me dit en PC, vous connaissez, hein, vous avez vu hier ce qui s'est passé. On va pas parler d'hier avec mon craquage en live. Ok, dernier survivant. Ok, merci beaucoup les gens. Ok. Et voilà. Et du coup, donc j'ai pris dernier survivant. Hein. J'ai fait vos votes, j'ai suivi les sondages. Et pour moi, je pense que j'aurais pu donner un peu plus de soutien, quand même. Puis bref, si j'ai qu'une connexion en vrai qui est sur mon PC. Et quand je suis pas sur Twitch, je suis rentré dans des vidéos, ben. Je mets des trucs tweets, ça bug. Vous avez tenu amplement Alex, t'inquiète mon ami. Ouais, mais je. Ça me touche, mais. Je vais me rattraper. Je vais me rattraper. Dis des ménages, de toute façon, je vais pouvoir aller voir tout le monde, pouvoir soutenir tout le monde, je me rattraperai. Quand j'aurai mon PC gamer, ce sera pareil. C'est que partie remise, de toute façon. Mais je vous inquiétez pas, je ferai tout pour. Pour vous soutenir dans tous les cas, de toute façon, pour votre push partner. Si vous refaites un push partner, moi je serai là pour continuer à soutenir le plus que je peux. Parce que j'essaie vraiment d'être le plus présent possible pour aider les gens que j'adore. Parce qu'ils me le rendent déjà tellement de fois que j'ai envie de le rendre à mon tour. Comme hier, tous les gens qui m'ont aidé là. Je veux bien rendre tous les gens qui m'ont aidé ces dernières semaines, j'ai envie de leur rendre. Alors, apparence, sexe, on s'en fout, on sait déjà. Âge. Jeune, voix jeune, non, voix mature, tiens. Carrure, mince, ajustement, 1m60, 1m70, 1m69, 1m75, allez, la moyenne. Poitrine, oui, allez, 90. Dis-toi qu'on ne peut pas être partout tout le temps, c'est la même chose pour nous, on aurait soutenir tout le monde, tout le temps, mais ça serait difficile, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En tout cas, sachez que moi, je vous soutiens en tous les cas. Et tous les gens qui me connaissent savent que des fois, je disais, tiens, n'hésitez pas à les soutenir la petite équipe. Enfin, je dis peut-être pas forcément tout le temps en live. En live, je dis pas souvent. Je dis souvent à des amis que je connais, que je parle en off ou quoi. Pas tous les amis non plus, mais ceux qui vont voir la petite équipe. Abdomen 90. Plein de love de Genio, mais beaucoup de love à toi, Jaco, et aussi à Oldax. Beaucoup de love aux deux. Love, vous voyez ça? Vous connaissez ça? Le cœur là, que je fais là, c'est pour vous. Prenez-le et gardez-le dans un coin, dans un petit coffre, ou sous l'oreiller, tu sais, comme la petite souris quand elle récupère les dents. Et allongez-vous dessous et vous allez voir, ça porte bonheur. Ah, c'est James qui remet des musiques? Ouais, au prochain punch, on sera encore plus présent car je partage la vie d'Alex. Le fait qu'on n'a pas été aussi présent qu'on l'aurait souhaité. Ouais, c'est ça. Et puis, des fois, il me dit j'aurais pu être plus là. Mais je serai plus là pour la prochaine fois, n'inquiétez pas. Enfin, n'inquiétez pas. C'est pas ce qu'il faut que je dise, mais. Enfin, voilà. Ouais. Couleur peau de base. Y a pas un peu plus bronzé? Je suis italien quand même. Je suis comme italien, bordel. Voilà. Couleur de peau sombre. Oula, non, on va retoucher là, ça a l'air d'être un bordel. Bon, ça peut le faire comme ça. Il n'y a pas les cheveux. Les cheveux. Cheveux. On va choisir les cheveux, les amis.
Alors ça, c'est la coupe que j'avais avant à la fin du confinement. Je dois quitter quelques minutes le temps de revenir chez moi. Mais pas de soucis, si tu reviens après les quelques minutes, beaucoup de love. Et si jamais tu dois y aller, merci d'être passé en tout cas. Et beaucoup de love, mon cher Jaco. Et puis à très très vite. À très très vite en tout cas. Et beaucoup de love à toi. Mais beaucoup beaucoup. Allez. Alors attendez les amis, on va essayer de choisir autre chose dans la coupe. Ouais, ça fait un peu bizarre hein, une coupe comme ça. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? T'as vraiment des coupes de chucheux. Hein. On va mettre ça. On va mettre ça, attendez. Allez, ça va faire. Regardez-moi ça. D'ailleurs, moi aussi, je vais pas tarder, il faut que j'aille chercher les courses au drive. Ah, mais pas de soucis, j'aime ça, c'est pas de soucis. Mais vous pouvez y aller, n'hésitez pas hein, si vous devez y aller. Moi je vais continuer mon début de live sur le jeu. On va essayer d'avancer une petite heure au moins. Après on verra. Eh les canons. Allez. Non moi il faudrait un truc qui me ressemble à moi. Ça, voilà. On va faire un poll pour les coupes de cheveux d'ailleurs. Mais oui, mais regardez, c'est bon, c'est bon. C'est. On dirait pas moi du tout. Il ressemble à rien, mon personnage. Je sais pas ce que je suis en train de faire, les amis. Au secours. Je crois que mon personnage est en train de partir en couille. Hop. Allez, couleur de cils, on s'en fout. L'œil. Couleur des pupilles. Elle va être verte. Voilà. Non, la petite moustache d'époque, elle était bien. Remets-la. Tu la remets. Attendez. Attendez. Je vais faire ça, attendez. Non, c'est bon. Ah, attendez. Faut que je valide. Ok, il a les yeux verts. Ok. Alors, la moustache de l'époque, tu m'as dit. Hein. Je vais voir ça. Détail de visage. Oui. Barbe. La moustache de l'époque, tu m'as dit j'aime ça. Celle-là? Non. Celle-là? Laquelle? Celle-là? Celle-là? Celle-là ou. Ou celle-là? Laquelle? Celle-là? Ah, je sais pas. On va voir ce que j'aime ça va me dire. Attendez. On va voir ce que j'aime ça va nous dire. On attend d'avoir son avis. C'est laquelle le James? Celle-là? Ok, valide. Oui, you remember though. Ok, allez, on est parti. Personne ne ressemble à rien. Tatouage. Lunettes. Ça ressemble à rien en personnage, regardez. Regardez-moi ça. Retemi, re mon cher Blanco. Re, j'espère que tu vas toujours bien. Beaucoup de love à toi, mon cher Blanco. J'espère que tu vas toujours bien, mon cher Blanco. Comme tu peux voir, on est sur Bloodborne. On a fini avec la tier list Assassin's Creed. On a fini ça tout à l'heure en présence de mon ami Jim Sachs et mon ami Jaco qui vient de partir il y a pas longtemps. Et du coup, là, on est sur. Et puis tous les viewers qui sont là, hein, évidemment. Et là, on est sur Bloodborne. On commence à créer un personnage un peu chucheux. Il est un peu bizarre en personnage. Hein. On va souffrir. Ça y est, on va râler sur un jeu. Un jeu pour râler. C'est cool. Hein. Sauvegarder dans favoris. Oui, ici. Regardez. Regardez ça. Ça va toujours bien. Bien content d'avoir pu t'envoyer mon raid au début de ton live. Ah, bah, merci encore à toi, Blanco. Ça fait plaisir que tu m'envoies un raid. C'était pas obligé, évidemment. Ça fait beaucoup de love. Ça fait un peu plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai acheté cette nuit. Allez, les amis, il est temps. Il est temps pour moi de me valider ce personnage qui ressemble à tout sauf à rien. Enfin, à rien sauf tout. Non, il ressemble à rien, voilà. Ok, on valide. Finaliser le contrat, oui. On part sur Bloodborne. Habit chasseur porté par Henrik le chasseur.
Ce vieil homme, taciturne, formé jadis un redoutable duo avec le père Gascoigne. Association qui... Ah, vas-y, va trop vite. Pardon de lire. Et salut à vous. J'espère que tu vas bien, beaucoup de love à toi. J'espère que tu vas bien, Abou, ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu as passé une très belle journée en ce samedi ensoleillé, qui fait un temps magnifique en plus, les gars. Les guys, n'hésitez vraiment pas à profiter du soleil. Ça va, je vais aller récupérer les courses, ça me saoule, j'ai la flemme de sortir. Alors, je vais couper les sons d'audio pendant une cinématique, par contre. Je remets à chaque fois que les cinématiques sont finies. Hein. On coupe un cinématique et je remets à chaque fois après. S'il s'agit juste de récupérer ça, j'aime ça, que ça pourrait être pire. Tu pourrais devoir les faire. Oui, et ça, c'est encore plus compliqué. Ça va et vous? Ça va super, Abo. Écoute, on a fait une tier list Assassin's Creed juste avant. Et là, désolé de couper la cinématique. Et là, je suis sur Bloodborne. Donc, j'ai pas le son du jeu actuellement. Par contre, j'ai les sons requests. Et Matt et ses musiques. Et du coup, on commence le jeu que tu attendais depuis tellement de temps, Abo. Voilà, il est là, le jeu que t'attendais. Il est là, le jeu que t'attendais, le jeu de souffrance. On va commencer Bloodborne, ça va faire plaisir. Adieu. C'est vrai, tu as raison, j'ai la flemme quand même. Bah, bon courage, mon cher James Sax. D'ailleurs, Abo, si jamais je donne ton aide pour avancer dans le jeu, tu me donneras des aides. Hein. Bon, si je te le demande. Et si jamais t'es là à ce moment-là, évidemment. Si jamais t'es pas là, y a pas de soucis, hein, je me débrouillerai. Et si jamais t'es là au moment où je suis sur le jeu et que j'ai un souci, que je te demande de l'aide, si jamais tu peux m'aider, n'hésite pas. Ah, attendez. Je règle un peu mon overlay de bureau, là, parce que je fais n'importe quoi et c'est le bordel. Ça va bien. Ah, cassez-vous, mille créatures. Ah, au secours. Si tu me demandes, si je me souviens, je l'ai fait il y a longtemps. Ah, moi aussi, je l'ai fait il y a longtemps. J'ai plus trop de souvenirs du jeu. Ah, vous avez trouvé un chasseur. Ok, on se réveille, les gars. Allez, on se réveille de notre lit de mort, là. Ah, on va reprendre l'habitude des touches. Alors, ok, j'ai pas d'armes. Ça, c'est pour esquiver, d'accord. Le rond est pour esquiver, etc. Pour frapper, c'est quelle touche, c'est ça? Ok. Ok, j'ai ça pour frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait, là? C'est quoi ça? Bon, c'est bizarre. Ça aussi. Donc, il y a ça. Moi, je joue à ce jeu, je ne dors plus pendant des mois. Ah, parce que t'aimes bien le genre de jeu, j'aime ça que toi. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Allez, regardez, Père Gascon, là, ou je sais pas qui, là. Je sais pas, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai vu tard, Père Gascoigne, c'est lui ou je sais plus. Ok. Un document, on va lire. Phrase griffonnée. Recherche de pâle sang pour transcéder la chasse. Ah, intéressant. Ok, intéressant. Je note ça. Ok, on peut ouvrir la porte ici. Je vais voir un peu autour avant pour pas d'aller trop vite. Il y a quoi dehors là-bas? Donc là, ça va d'être allé dehors ici. Je suis trop une flippette. Je vois un film d'horreur, un truc qui fait peur. Je suis trop traumatisé. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, je pensais que tu voulais. T'adores. Tu dors plus en faisant le jeu, en gros. Ok, d'accord, je vois, James Sax. Ok, il y a quoi ici? Ah, il y a un truc qui est là. Ok, c'est quoi ça? R1, attaquer, arme de main droite. Ok, donc ça, c'est les touches. Ok, les touches, pourquoi pas. Ah, pauvre petite chose. J'adore beaucoup comment elle a dit ça en mode. Ah, petit gamin. Excusez-moi. Mais je rigole et je tousse. Voilà. Train to France. Comme le jeu actuellement d'ailleurs. Ok, verrouiller, relâcher cible, c'est R3. Ok, très bien, on a noté. Verrouiller, relâcher cible, R3. Hop. Hop. Alors, ici, une salle sombre. Bonjour, il y a quelqu'un. Je suis Alex Sensen, le Don Alex. Tu n'as pas dû dire te le dire, tu vas me traiter de petites choses maintenant. Ah, tu sais, maintenant, voilà, je sais pas quoi dire, Wegulate, na palpa jam. Ok, on va avancer tout doucement, on va vérifier. Ah ah, possible. Et comme trouble. T'as la haie. Oh. Oh, 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 o
Ok, attendez, attendez. Laissez-moi gérer. Ah, ça commence bien. Ok, ça commence bien. Ça commence très très bien, je prends cher. Allez, viens voir, Coco. Viens voir, Coco. Ok. Ouh, on va devoir commencer à esquiver. Hop. Allez, viens. C'est une créature de mort. Hop, hop, hop. Allez, on a une petite raclée, on va essayer de le battre. Tu sais que c'est pour le battre, c'est pas trop facile la première fois. Il y a rarement les gens le battent le premier coup, hein, lui. Hein. Parce qu'on n'a pas d'armes, etc. Qu'on l'affronte. Hop, 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 hop. 4 coups, c'est pas mal. Allez, reprends un peu d'énergie, mon poteau. Ok, on esquive. Hop, 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 hop. On esquive, évidemment. Allez, on va le battre. Je suis pas là pour, je suis pas là pour dire ce que tu veux. Ah, je vais mourir. Merde, faut que je le bat vite. Allez, on va le battre. Mais il faut que pas qu'il me tue. Allez, on va le battre. Hop, 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 hop. Vas-y, je suis moi, c'est moi. Oh, je me souviens. Non. Je crois qu'il peut, il peut nous tuer, hein. C'est ça qui est cool. Ok, il nous a tué. Voilà. On va essayer. On va essayer de le battre à la main. Et re Jaco, j'espère que tu vas toujours bien, j'espère que ton retour s'est bien passé. J'espère que tu as pu rentrer tranquillement. On est sur Bloodborne, hein, toujours, on vient de se faire tuer par un loup. Voilà. Explose dans une gerbe de flammes contre sa cible. Hmm. Super bien. Ah, c'est l'essentiel, alors si c'est bien passé. C'est essentiel si c'est bien passé. Bah nous on vient de mourir et une cinématique s'enclenche. On va couper le sang request. Ah, y'a pas le sang request. Ah merde. Je vais remettre le sang request après les gens, hein. Je vais tout sur Request après, hein. Je vais attendre que la cinématique elle se passe. Est-ce que t'as des problèmes de jeu ou pas du tout, tout est nickel? Ah ouais, rip, Toad Fighter. Rip, exactement. Bien essayé, c'est du gros loup ça, ouais, j'ai essayé, j'ai essayé. Ah, il va pas être simple, hein, lui. Hein. Il va nous donner du fil à retordre, je crois. Ok, on est dans le rêve du chasseur. Ok, on va explorer. Je sais, c'est... Je sais, c'est cool. J'ai bien aimé ta répartie. Alors, on va explorer un petit peu ce truc là. Alors attendez, parce que moi je me rappelle très bien de ce lieu. On va parler au messager de la Vasque. Échanger des échos de sang auprès des messagers pour acheter et vendre des objets. Alors on peut obtenir des objets. On peut obtenir des objets, on peut vendre des objets ici, donc c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter, tiens? On peut rien acheter pour l'instant, on a 0 écho de sang. Parce qu'on vient de mourir, du coup, on n'a plus d'écho de sang. Quand on meurt, on perd tous nos échos de sang sur nous. Hein. Même si on en a 1 million, on perd 1 million. Il faut les stocker, en gros. Il faut les stocker, je crois. Il faut les stocker dans la boutique ou je sais plus où. Il faut que je me renseigne, je me rappelle plus trop. Il faut que je me rappelle de tout, là. Alors, on va retourner dans le bâtiment qui est là. Alors là, c'était la porte qui était fermée tout à l'heure, je crois. Ne s'ouvre pas. Ah. Carnet donné par les messagers laisse des messages grâce à des... Ah, 1, 2, 3. Carnet donné par les messagers. Laisser des messages grâce à des fidèles serviteurs afin de les transmettre aux chasseurs des autres mondes. On a reçu un carnet. Incroyable. Alors, il y a quoi ici? Les messagers vous offrent une arme à feu. Nice. Choisissez-en une. Les armes à feu se manient de la main gauche et sont utilisées pour la chasse aux monstres. Alors, les amis, je prends quoi? Est-ce que je prends un pistolet de chasseur ou le tromblon de chasseur? N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. On va pas faire de poll tout le temps. Hein. N'hésitez pas à me le dire comme ça. Lequel des deux vous préférez? N'hésitez pas. Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Ouais. Bon, allez, je vais récupérer mes courses. Ouais. Bonne course à toi, mon cher Dumsac. Bon drive. Et puis, à plus tard, si tu reviens avant la fin du live. Sinon, bonne fin de journée à toi. Bon live, bisous bien, bisous et cœur sur vous. Mais merci, Dumsac, d'être passé faire un coucou sur le live. C'est un plaisir d'avoir ton soutien à chaque fois, à chaque stream. Merci beaucoup à toi, Dumsac. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme arme, les gars. Les guys. Abo, tiens. T'es un Abo, je viens de voir ton message. Tiens, Abo, vas-y. Dis-nous ce que tu préfères. Tu préfères lequel? Est-ce que t'as une préférence? Hop, alors attendez, alors tu m'as dit le pistolet of course, ok. Excusez-moi, j'étais sur mon téléphone. Ah!
Ah bah mince, je suis désolé. Ah, j'ai cru qu'il y avait Cabo qui allait répondre du coup. Bah, prochaine fois, Todd Fighter, si tu veux choisir une arme, tu pourras. Ok. Alors attendez, on va faire comment? On va essayer de faire celle du dessous, voilà ici. Les messagers vous offrent une arme trompeuse. Choisissez-en une. Tiens, Todd Fighter, c'est pour toi celle-là. Ouais, bah j'ai pris l'autre, tant pis. Tiens, bah Todd Fighter va choisir celle-là. Les armes trompeuses se manient de la main droite et sont utilisées pour la chasse aux monstres. Ouais, oui, oui. Alors je prends quoi? La canne de fouet, la hache de chasseur ou le coup précis? Donc n'hésite pas à me dire, hein, Todd Fighter. Je m'attends à plus tard, petite chose, mais celui que tu as fait me convient. Ah, le mouais, mouais, mouais. Ah non, mais elle a dit à plus tard. Elle a dit à plus tard. Elle a dit ce qu'il fallait, le James, ça. Elle a dit ce qu'il fallait, Babo. Vas-y, hein, j'attends que Todd Fighter me répond, les amis, et puis... La hache. Ok, on reçoit la hache. Ok, on a des armes sur nous. Alors, comment on les équipe? Ok, c'est ici, d'accord. Donc, arme, la hache de chasseur. Et sinon, arme à feu, c'est où? Où sont les armes à feu, tiens? Comment on équipe une arme à feu, tiens? Attendez, voilà comment on équipe une arme à feu, je sais pas. Calin. Ok, c'est ici. Hey, calin. Alors t'as vu voir comment je peux choisir, bah comme ça. Donc là on équipe la race de chasseur avec Ok. On l'a déjà, ok. On va pas se battre comme ça, regardez. Hop. Venez voir le Don Alex. Vous allez voir ce que c'est maintenant de se faire hacher menu. La petite chose c'est pour quand tu vas revenir. Ah ça y est, ils se provoquent tous les deux là. Alors, ah, il y a une fontaine ici, tiens, je vais parler de la fontaine qui est là. Cette vasque semble liée au cauchemar, mais il n'y a pas de messager. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Ok, on va ouvrir la porte ici. Je ne s'ouvre pas. Ok. Ok, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. C'est quoi ça, tiens? Pierre tombale de Yararm. Éveillez-vous dans une zone de Yararm sélectionnée, d'accord. Infirmier du rez-de-chaussée. Ah ok, d'accord. On doit retourner depuis ici. Ok, on va devoir y aller alors. On va go. N'hésitez pas à mettre du son. Hein. Ah beau, Todd Fighter, il en met beaucoup, j'ai vu. Tous ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à mettre du son, les amis. Vraiment. C'est intéressant. Si vous trouvez ça intéressant de mettre du son, vous pouvez y aller. Avec plaisir. Avec le plaisir. Oh, incroyable. Regardez qui arrive. Regardez qui est là. Regardez. Le Don Alex, non. Et salut mon cher Martin Games. Je passe vite fait, je dois partir après. Ben visiblement tous les modos doivent partir aujourd'hui. Hein. Et ben j'espère que tu vas bien en tout cas mon cher Martin Games. Du love à toi. Et puis j'espère que tu as passé un très bon live sur ton jeu. C'était sur quoi attends? Sur FIFA 20. Manger à tacos. Ah oui. Je passe vite fait, il va partir pour son moment manger à tacos, oui. Il va partir manger quelque chose. Ok. Non, dans une piscine. Ah, il va prendre... Tu vas aller te baigner, Matt. Ça y est, t'as trop chaud. Matt, tu vas aller te baigner, ça y est. Ok, on est revenu ici, d'accord. On va pouvoir affronter le... Bah, c'est pas incompatible, voilà. Donc, on récupère nos échos de sang et on va détruire la créature qui nous a tué tout à l'heure. Avec des bonnes attaques puissantes. Bien relou. Hop. Allez. Il est mort. Cette fois on l'a eu et on récupère une fiole de sang. Nickel, trois fioles de sang. Alors du coup on va fouiller la salle parce qu'on n'a pas eu le temps de la fouiller à cause de lui là tout à l'heure. Donc là il y a une créature chelou. J'ai dit à Boyard j'ai mangé McDo. Oui il a mangé un McFlurry en live. Il était venu sur le live, il a mangé un McFlurry le matin. Mais oui. Pendant 12 heures. Hop, fiole de sang. Restaurer les PV triangle. Ah oh, ok d'accord, la fiole de sang c'est triangle pour l'utiliser, d'accord. Donc pour utiliser là une fiole de sang c'est triangle. Non je m'en rappellerai. Alors on va voir ce qu'il y a là-bas. Alors qu'est-ce qu'il y a debout par ici? Bonsoir, bonsoir, je suis le Don Alex. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui peut m'aiguiller? J'aurais un McFlurry avec la chaleur. Ah bah j'en ai mangé un hier. Ouais il a mangé un hier, bah oui c'est ce que je disais, il a mangé un McFlurry, Matt. Il a pas partagé, hein. J'étais un peu déçu, je pensais que les modos ils partageaient leur nourriture avec les streamers. Mais pas du tout. Il a dévoré. Quand j'ai dit t'as fini de manger, ouais. Je suis ok.
Il y avait les larmes qui coulaient, hein, j'étais triste. Je dis ça y est, le Matin Games il m'a trahi quoi. En vrai la grille. Fermée par un mécanisme, ok. Donc en vrai la grille qui est là. Vas-y, rajoute-en. Allez. Voici à Yarmarn. Centre de Yarmarn. Ok. Est-ce qu'on peut casser les objets ou pas? Non, pas tous les objets apparemment. Ok. Alors on va aller où? On va aller où? On va aller voir en bas, tiens. Un objet ici. Fiole de sang. Ok. On prend. Merci pour les sons, Two Fighters. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, vous mettez des sons. D'ailleurs, j'ai pas fait les sons pour Matt. Oh, Matt, il arrive sur le live, pas des sons pour lui. Alors que c'est mon modo. Voilà. Non, pas voilà. Voilà, ça, il m'a stressé, Matin Games, avec son Mike Fury, là. N'hésitez pas à aller voir Matin Games, il est aussi streamer. Il fait, lui, beaucoup, par contre, de Pokémon. Il fait beaucoup de jeux du type Minecraft. Il fait aussi un peu de FIFA. Il fait un peu de Valorant. Il regarde des fois un peu des émissions en direct. Donc, n'hésitez pas à aider du love à monsieur Matin Games. Qui... Merci, donc. Est-ce que... Je suis stupide. Ah! Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux mettre du gel pour aller à la piscine? Est une action stupide. Alors pourquoi tu veux du gel, Matt? Tu veux bronzer? C'est une piscine en plein air ou pas du tout? Bonne conclusion, Sherlock. Ouais, bonne conclusion, Sherlock Holmes. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Ah, ok, une créature du démon. Hop, ça dégage. On l'a eu. Je crois qu'il va me faire du mal, lui, il a fait quoi? Ok, il y a une porte ici, mais on peut pas l'ouvrir. Il y a une grille ici, je pense qu'on peut l'ouvrir plus tard. Ok, pour l'instant, on a qu'un seul chemin, c'est par là. Surtout qu'il n'y a pas de fille. Oh, Matt. Matt qui est dragueur. Ça y est, il commence à draguer les filles. C'est incroyable. Hop, ça ouvre quelle porte? La porte là-bas? Ah, une échelle. D'accord, on va pas voir au-dessus ce qu'il y a. On va s'occuper de lui là. Monsieur! S'il vous plaît. Monsieur! S'il vous plaît. Alors par contre si je meurs on recommence, hein. Donc on va faire attention à ce qu'on fait aussi. Cocktail Molotov, là il n'y a pas d'objet pour l'instant, ok. On va aller voir l'échelle en haut. J'espère qu'on va pas mourir sinon bon, on va devoir tout recommencer. En plus zéro intérêt. Remarque si fille il y avait, j'ai enlevé mon t-shirt pour qu'elle succombe à mon charme. Oh là 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 là. Ça y est, Matt le dragueur est parmi nous. N'écoutez pas Matt in Game ses amis, il essaie de vous draguer. Y'a ta modestie. Incroyable, Matt. Bon, t'adore quand même, hein, Matt. Hein. Tu le sais, hein. Allez, on va aller faire un petit tour dans le royaume. On va revenir voir ce qu'il peut dépenser avec nos fioles. On va aller voir ça. On a 799 fioles. Hein. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas du tout. N'hésitez pas à me le dire, ceux qui savent. Si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Abo, par exemple. Abo qui est celle qui a créé le jeu. Vraiment, c'est Abo qui a créé le jeu. On sait tous. Alors, obtenir des objets. Alors, comment... Qu'est-ce qu'il faudrait acheter, tiens? Est-ce que j'achèterais pas un couvre-chef de chasseur de Yarmarn? On va acheter une tenue, tiens. On commence à acheter une tenue, tiens, pour commencer. Hop. Alors, on a acheté un chapeau, on va pouvoir équiper. Ouais, la poupée, elle fait flipper. Je me rappelle, à l'époque, elle me faisait flipper aussi. Non, je gaspille une fiole de sang. Ah, je suis dégoûté. Bon, tant pis. Allez, on va équiper à la place le couvre-chef du chasseur de Yarmarn. Comme ça, on a une tenue améliorée. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, comment on sauvegarde dans le jeu, les amis? Quelqu'un sait comment on sauvegarde dans le jeu ou pas du tout? Ou ça sauvegarde automatiquement, je crois. Hein. Je sais plus. Et hop, la fiole. Ah ouais, voilà, karma. Karma dans ma tête. Ok, bon, une petite goutte qui est d'eau fraîche. J'ai mal à la gorge. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Comment on sauvegarde? Ah oui, il y a qu'Abo qui le sait ça. Abo, c'est un peu notre dernier espoir du jeu pour avancer. Elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. Merci pour les sons, hein, Top Fighters encore. Merci beaucoup à toi. Beaucoup de love. Allez. Allez, Matt. Une petite danse. C'est auto. Ok, merci. Ah bon. Alors, on va aller voir à droite. Par ici.
Et tu reprends aux lampes. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Abo. Galé, on a 8 galets. Ok. Alors, on va prendre notre temps. On va pas faire les cons non plus. On va pas mourir bêtement. Ok, voilà, monsieur, qui vient d'arriver. Hop, hop, j'ai tué un con. Voilà, il a pas fait long feu, hein, monsieur. Ok, il rapporte beaucoup de coups de sang ou pas? Tu as enlevé les serres? Ah, oui, 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 je vais remettre les serres, pardon. Merci beaucoup, Toad Fighters. Voilà. J'ai remis les serres, c'est bon. Attendez, je fais comme ça, transition au cas où. Oui, c'est bon, Toad Fighters, j'ai remis les serres. Voilà, on peut repartir dans l'aventure. Ça y est. Attends, attends, je crois, hein, je vais vérifier. Ah, y a pas de soucis, bah, vérifie. Ah bon. Après, c'est pas obligé de toi de vérifier hein, non plus. Hein. Je demande à toi parce que tu sais que c'est la seule ici pour l'instant qui connaît le jeu. Après, si tu peux pas aider, y a pas de soucis. Hein, je ne force pas à aller chercher esprit. Hein. Ok. Alors, lui, il faut esquiver. C'est cool. Hop. Voilà, vous avez vu. Ça, c'est du blue band comme j'aime bien. On n'entend pas, Alex. On n'entend pas là. On n'entend pas. Et là, on entend mieux peut-être là. Est-ce qu'on entend mieux Toad Fighters? Dis-moi tout. J'ai monté le son. Ah, merci de l'avoir dit, hein, les amis, hein, parce que franchement, j'aurais pas fait attention. Là, c'est bon. Ah, nice. Vous m'entendez, tout est bon, tout est bien réglé, Matt. Je dis Matt parce que c'est mon modo. Hein. Ouais, je demande à Matt en premier. Pour qu'il me donne une indication. Ouais, on a un raccourci, nickel, les amis. On a délivré un raccourci. Hop. Y'a qui là? Y'a quoi là-bas? Tiens, je vais aller voir. Bah, attendez, lui, je la fonce après lui. Ok, très bien. Mais. C'est pas une porte qu'on. C'est vrai, par mécanisme. Il y aura un levier pas loin. Ok. Ok, il est là. Oui, merci. Ah, mais pas de soucis, Toad Fighter. Merci de l'avoir dit. Merci à toi de m'avoir dit, surtout. Parce que j'aurais pas eu la solution sinon. Pour le. Enfin, j'aurais pas entendu le SR, moi j'entends, mais. Je voyais pas la différence en vrai, pour vous. C'est juste que si je coupe le son et que je réactive pas derrière, c'est moyen quoi. Ok, il manque encore un petit peu, je pourrais m'acheter une autre tenue, tiens. On va améliorer toute la tenue au maximum. Allez, faut pas qu'il me tue lui. Hein. Et toi là-bas là. Viens me voir. Allez, viens, on le donne à Alex. Hop. Bah alors, monsieur, vous m'avez loupé. Et moi aussi, vous avez loupé. Ok, c'est lui contre moi. Première créature de créa plus puissante qu'on affronte. Hop. Ok, on recule. Allez, viens. Ah, il m'a touché. Ok, triangle. 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 Et triangle. Ok. Hop, hop, on va essayer de l'avoir. Ok. Hop, 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 on l'a eu. Ouh, c'est le premier gros, lui. Ouais, voilà, on l'a eu. On l'a eu de toute façon. On a utilisé une fiole de sang, mais bon, on l'a eu quand même, c'est bonne nouvelle. On va fouiller les lieux, peut-être qu'il y a un truc, une récompense qu'on n'a pas vue. C'est quand même bizarre qu'ils mettent un gros là et qu'il n'y a rien derrière à récupérer, quoi. Bon, il n'y avait rien d'autre, hein, il n'y avait que le gros. Ok, on l'a eu. Je me suis appuyé, je l'avais pas vu, il m'avait fait peur. Ouais, ben, moi, il m'a fait peur aussi. Je me suis dit, oula, lui, c'est un sac à PV ou quelque chose comme ça. Il va nous donner du fil à retordre et tout. Bon, ça, il n'a pas été trop chiant. Donc, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ok. Tu as peur, bourre, oh, Matt. Franchement, Matt, là, non, hein, c'était pas flippant, ça. Hein. Red chili hot pepper. Ah, deck. Bah, deck, il passe entre temps. J'ai pas vu deck mettre du son. Deck a mis du son. Ah, c'était celle de celui d'hier qui avait mis. Va faire Dark Souls ou Bloodborne, après on reparle. Ah, ça y est, ça commence à provoquer pour que Matt fasse des jeux de très durs. Ou alors dis-lui de mettre des points de chaîne et mettre des jeux de souffrance là, parce que j'ai 45k points de chaîne chez Matt et je peux même pas les dépenser quoi. Et j'ai level up. Je vais bientôt modifier les titres aussi des level up. Mais il y aura des nouvelles emotes sur la chaîne. On aura 4, 3, plus peut-être 2. Après, s'il y a plus de ça un jour, on aura peut-être pouvoir débloquer des emplacements d'emotes, etc. Ha 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 ha. Alors, on va acheter quoi? On va acheter des tenues en premier, voilà. On va acheter le pantalon de Yarmarn, voilà. Oui, ça sauvegarde, merci du coup à Beau pour l'indication tout à l'heure. Oui, ça sauvegarde bien. Alors, je vais équiper le pantalon de Yarmarn qui me protège plus, voilà. On y retourne.
Allez, on en retourne au combat. Bah, fais-les alors. Ces jeux sont trop simples pour toi. Ah oui, Matt. Ah oui, d'accord. Très bien. Je note. Matin Games, âgé d'un certain âge, trouve que ces jeux sont très faciles pour lui. Ok, très bien. Je note, mon ami Matin. Je devrais détruire un jeu en 30 secondes, imagine le pauvre développeur. Ah, ok. Ouais, ok, ok. Je vois le problème, c'est que Matt n'a jamais fait ce genre de jeu. C'est l'icône qui s'allume à droite, c'est de la sauvegarde. Ah, c'est icône. Ah oui, c'est icône, ok. C'est l'icône. Ah, l'icône. Oui, c'est l'icône, ok. Ok, ok, très bien, Abo. Merci. Oui, c'est le petit icône en haut à droite qui fait chargement un peu, ouais, qui surbrille. Ouais, c'est ça la sauvegarde, ok. Est-ce que les ennemis sont apparus, tiens? Oui, ils sont apparus. Donc, cette fois, on va les voir en bas. Hein. Oui, l'icône, oui. Oui, c'est moi qui avais compris licorne. C'est la licorne. N'importe quoi. Ah, faut pas écouter le Don Alex, hein, des fois. Bonjour! Oulier! Hop, hop. Ok, on l'a eu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Toc, toc, toc. Qui est là? Ok, bonjour madame ou monsieur. J'ai pas la voix, on n'entend pas. Alors, je refrappe. Ok, il veut pas me parler. Il veut pas me parler. Très bien, on a compris. Je suis détesté, je suis le mal aimé. Hop. Donc, il y a des cinématiques, je couperai le son. Hein. Quand il n'y a pas de cinématique, je couperai pas. Hop, hop, hop. Allez, premier ennemi qui me touche. Très bien, ça commence bien. Et qu'est-ce qu'il fait, le personnage tout bugué? Ah. Ok, veux le renfort, je me dépêche de toquer aux portes. Toc, 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 mettez les voiles. Mais qui dit ça? J'avoue, qui dit ça en vrai? Mettez les voiles. Comment on tire avec l'arme à feu, tiens? Allez, c'est parti. Combat contre les créatures, des démons. Hop, triangle, on va se soigner. Allez, venez voir vous deux là. Ouais, c'est ça. Hop, au revoir. Ok, on va la remettre en solo. Hop, on va la voir. Oui, on l'a eu. C'est bon, on a fait le ménage. Bon, ça c'est le début du jeu, hein. C'est pas vraiment très très dur. Faut vraiment se concentrer et pas se précipiter, ça devrait le faire. Ok, pour l'instant ça va. Ok, mais il était ici, je crois. Il a même ouvert la porte, oui. Ok, on va pouvoir s'acheter la dernière tenue, mais avant je vais aller essayer d'ouvrir la porte du haut là. Donc, on va faire le tour, on va explorer là-bas. On va vraiment pas faire que les allers-retours pour rien. Ok, il y a qui. Monsieur, vous êtes vivant? Oui, monsieur, vous êtes vivant! Hop! C'est une nouvelle ça, vous êtes vivant. Ok, il y en a des balles. Ok. Je suis content, aujourd'hui ça se passe bien mon live, il n'y a pas de soucis. Bref, ouais, c'est vraiment hier qu'il y a eu des soucis. Hop, bonjour, hop, au revoir. Je cherche s'il n'y a pas des trucs à récupérer ici. Bon, je crois que c'est bon, il n'y a rien. Hop. Matt, après il va devoir partir, mon pauvre Matt. Alors, j'ai juste pause. Non, pause, ça marche pas, d'accord. Ok, j'ai la faire pause, mais ça marche pas. Ok. Je vais faire une petite pause deux secondes ici, là. Je vais pas mourir. Bon. Hop, c'est juste tellement glauque comme ambiance. Ouais, c'est glauque, hein. Waouh. C'est vraiment sombre, sombrelosque. Allez, on est reparti, les amis. N'hésitez pas à mettre vos sons, hein, vraiment. Alors, il y a quoi par ici, tiens? Rien du tout. Ok. Ça marche. On va aller voir au bout du couloir là-bas. Ouh, d'accord. Ok, très bien. Ok, très bien, très bien. Bonjour, monsieur. Il y en a mis derrière moi, j'ai vu, vous pas. Ok très bien. Je vais gérer le truc, il y a plusieurs ennemis par là dans le coin. Ok, d'accord. On va utiliser une fiole quand même. On avait quand même 14, ça va, c'est quand même un gros chiffre. Bon, moi je dois y aller, bonne soirée à tout le monde. Merci à Matt d'être passé, enfin un coucou avant de partir. Bonne soirée à toi mon cher Matt. Bonne fin de samedi. Et puis peut-être à demain, qui sait. Moi je vais faire, si jamais demain tu veux qu'on fasse du Zelda Link's Awakening, du Zelda Adventure, pardon. N'hésite pas à me le dire, on va faire ça à deux. On va démarrer un petit live dessus. Enfin, à deux. Que ce soit sur le chat et moi je joue. Pour qu'on découvre le jeu de souffrance. N'hésite pas à me le dire, hein, Matt. Et bonne baignade, effectivement, à la piscine.
Ça y est, Matt, il a dit c'est l'été, ça y est, alors que c'est encore le... on est encore au mois de mai. Moi, je comprends, Matt. Je comprends parce que j'aurais profité pareil que lui. Hop. Hop, s'il pouvait y avoir une piscine d'un côté, là, j'aurais été à la piscine aussi. Merci pour les sons, Autofighter. Merci beaucoup. Merci vraiment pour les sons que t'ajoutes. Hop. Ah, il y a des chiens. Ah. Ok, on va passer une tournure où il y a des chiens maintenant. Ok, très bien. Ok, je récupère des objets. Hop, on a rien loupé par ici. Non, on a rien loupé, on a tout récupéré. Hop. Ah, il m'a touché quand même. Il m'a touché quand même, il est chiant. Moi, il va pas me toucher lui, les démons. Surtout que je l'esquive bien, quoi. Quand je l'esquiverai mal, je comprendrai. Ok, c'est bon, ok, pour tirer c'est cette touche là. Regardez. J'essaie de le toucher, mais bon. Ok. Ok, il y a un ennemi là-haut là. On va utiliser une fiole, on a encore pas mal. Voilà. Ok, pour lui, va falloir faire le tour. Hop, esquiver ses balles surtout. Ça, ça va être chiant. Ok, on va prendre une fiole. Hop. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de celui qui tire dessus là, ouais. Lui là-bas là. Là, touche-le. Voilà. Hop. Allez hop. Il est mort. Il est tombé, mais il est mort. Voilà. Ouh. On a géré, hein. Ok, bon, on va prendre toutes les récompenses qu'il y avait à prendre et puis on va aller voir. Ah, il y a encore des ennemis, purée, il y en a plein. Il y en a plein ici en fait. Il n'y en a pas que un ou deux. Hein. Ok. Ok. Ok, je vais les voir en bas. Je vais les voir en bas juste après, les amis, ne vous inquiétez pas. Le son du jeu est fort pour ma part. Je vais baisser le son du jeu, les gars. Je vais baisser le son du jeu, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai baissé le son du jeu. J'ai baissé le son du jeu, The Fighters. Un match, il fait pas très bien son taf un matin. Tu peux me le dire, ça, que le son du jeu n'était pas assez. Il était trop fort. Donc, il cassait les oreilles à tout le monde. Non, je rigole, un match, il veut y aller, de toute façon. De partir. Parce que lui, il va se baigner pendant que nous, on fait des jeux très durs. Vous avez vu ça? T'as vu, Abo, comment il est, Matt? Ça me touche. On a combien? Ça fait 2h30 de live déjà, eh ben. On va avancer, on va continuer à avancer pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Hop. Fiole de sang, on récupère ça. Hop, y'a pas de problème de l'autre côté. Non, c'est nickel ça. Par rapport à hier, c'est nickel. Hein. C'est vraiment hier, hein, j'ai pas eu de chance. Hein. Non, je suis pas d'ici. Ouais. Ok, merci monsieur ou madame. J'ai pas la voix du jeu donc. Va voir que je règle ça. Ok, y'a qui ici? Y'a pas d'ennemis? Non, c'est pas normal. Hein. C'est trop calme. C'est trop calme. Ah, regardez qui est là. Abo, elle le connaît. C'est l'ami Abo. Ah, ah oui, d'accord. Ah oui. Ah non, 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 non. Tu ne tueras pas ici. Tu ne tueras pas ici, je te le dis, mon poteau. Ok, lui va me faire chier, en fait. Le premier qu'on a tué, ça va, mais alors lui va me faire chier. Allez, viens voir. Ok, très bien, il va juste me faire chier, lui. Non, on esquive. On prend un peu de fiole de sang. On va le tuer. Ok, ça, on n'a pas fait trop chier. J'ai des potes chelous, alors. C'est comme si c'était ton meilleur ami, en vrai. J'ai dit, ouais, c'est pas ta beau, alors qu'en fait, c'est juste un ennemi. J'ai des potes chelous. Il est bien, ce son. Ça, c'est tout fighter. Ah, tu mets beaucoup de sons, hein. C'est bien, ça. J'aime bien quand on met pas mal de sons. Ça fait plaisir. Merci encore. Hop. Alors, il y a quoi, ici? Rosée de nécrosant. Alors, je sais plus à quoi ça sert, ça, la rosée de nécrosant. Je sais plus à quoi ça sert. J'ai plus d'idée. N'hésitez pas à me le dire, ceux qui savent pas. Ouais. Ok, on va aller voir ici. Alors, attends, on va faire vraiment le tour. Hein. Je voudrais pas qu'on loupe des objets ou quoi, je serais dégoûté. Alors, ici, il n'y a rien à faire. Peut-être pas qu'à sans ça, il y a un objet. Non, il n'y a rien. Alors, il y a plein de chemins, là. Attendez. Là, c'est quoi? C'est fermé? Ok, fermé par un mécanisme. Ok, c'est pas pour maintenant.
Donc on va aller voir là-bas. Ça te donne des échos de sang. Ah, merci à vous. Ok, d'accord. Donc en gros, si j'en casse un, ça me donnera quelques échos de sang supplémentaires, c'est ça? Ok, d'accord. Très bien. Ok, des chauves-souris mortes. Non, c'est des corbeaux, ça, c'est des chauves-souris. Mais... Hop, c'est des corbeaux, ça. C'est pas des chauves-souris. Une Jarzwill, ok. Ok, il y avait rien de beau, hein. Il y avait juste des objets récupérés, c'est tout. Il y avait une jarre d'huile et puis quelques corbeaux morts, à moitié morts, qui étaient dispersés là sur le sol. Merci pour le son, Top Fighters. Merci à toi. Ok, là-bas, il y a quoi? Il y a un objet caché. Ah! Ah oui, il y a du monde qui arrive. Ok, attendez. Oh, attends, laissez-moi nous soigner, bordel! Laissez-moi pas le temps de soigner là, les créatures du démon là. Hop, 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 tout le monde est mort. Ok. Fuyez le cadavre, fuyez le sang. Hop, ah! Ça chien! Hop, il est mort. Corbeau zombie horrible, ouais, ils sont horribles. Pouf. Voilà, lui il est mort. Il ne fera pas chier longtemps. On va s'amuser quand ça va être face à des boss, hein, parce que là, c'est des créatures, ça va encore. Hein. C'est pas facile, mais ça va encore, quoi. Il faut juste qu'on gère. Ok, pour l'instant, on avance bien. Depuis le début du jeu, on a bien avancé, hein, on est juste mort au début, mais bon. Ça, tout le monde est mort au début, quasiment, sauf ceux qui connaissaient le truc et qui ont juste bien géré le gros chien, le gros loup, là. Sinon, dès le début, normalement, c'est un peu plus dur de base. Ok, je vais voir où on est bon. Je reconnais le lieu. Ok, 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 ok. Alors attendez. Déjà, on fouille ici. On fouille ici déjà. J'ai reconnu le lieu. Ça va parler, ça y est. Donc j'ai pas tout perdu mes souvenirs. Fragment de pierre de sang. Oui, c'est ça qu'il me fallait. Hop. Alors moi je vais aller ici avant. Ouvrir la grille en bas. C'est en bas qu'il y a la grille. Hein. C'est ça, hein. Je me trompe pas, les gens. Encore un fragment de pierre de sang. Nickel, on fait deux. Hop. Je tiens ma révérence. Ok, là y'a quoi? Ok, la grille elle doit être pas loin. Y'a rien de grille pas loin, c'est obligé. Y'a pas de grille? C'est bizarre ça. Hop. Y'a pas de grille là. Y'a aucune grille à ouvrir, rien. Si, y'a un truc là-bas, non? Oula, 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 attendez, 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 attendez. Attendez, 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 je sens le problème arriver là. Parce que si je vais en bas là, y'a quoi? On l'avait fait ici, ouais. Oui, j'ai 2200 échos de sang, je me demande bien si je devrais pas les déposer là. Y'a pas de point de passage ici, d'aller me dire. C'est quand même étrange qu'on est assez loin, qu'il n'y a pas de grille, etc. Attendez. Traverser le pont. Peut-être traverser le pont. Il y a un chemin à gauche là, non? Il y a un chemin à gauche. Hop. Allez, viens me voir. Venez me voir même. Allez, viens voir le Donalex. Hop, hop, hop. Ah oui, ils font mal. Ah oui, 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 ils font mal. Ah, ils m'ont tué. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais jamais dû les affronter maintenant. J'aurais dû aller déposer mes échos de sang. Ok, très bien, ça va être amusant. Et j'ai pas eu de point de passage depuis tout à l'heure en plus. Ah, bordel. J'aurais dû aller déposer mes échos de sang et m'acheter la dernière tenue, etc. Ah, je vais aller chercher mes échos de sang. Hein. Je vais faire ça en rush, tant pis. Tant pis, tant pis. Et je vais aller les déposer. Ah, ça y est, ça commence. Mais quand je vais là déjà? J'ai loupé un chemin, c'est pas possible qu'on ait pu aller là tout à l'heure. J'ai pas pu aller là tout à l'heure, c'est bizarre. Ouais, rip. Rip, ça y est, mon premier mort. Mais c'est parce que je savais pas s'ils étaient si forts que ça ou pas, les créatures là en fait. Et apparemment, ouais, ils étaient forts. Ok. Je vais chercher mes échos de sang, bon, bah les couilles. Hop, toi tu meurs. Hop, mes échos de sang. Hop. Bonjour monsieur.
Oui, brûlez-moi. Je suis un démon. Allez, brûlez-moi. Oui, brûle Alex, brûle. Hop. Hop, hop, c'est cadavre. Oui, Van, prends. Hop. Hop, je tire dessus. Oh, bah alors, c'était pas mort. Hop, on va remonter par là. C'était peut-être ici qu'il fallait ouvrir la grille, non? Non, c'est pas ici. Ici, c'est un mec qui se cache. Bon, je me dis qu'on a récupéré, on a pas besoin de les récupérer, ça c'est une bonne nouvelle. Je regarde des échos de sang derrière, ça c'est pas mal aussi. Hop, il a mis un bon petit coup lui, bien joué. Hop, on se soigne. On est limité à 20 en fiole, hein. Viens le voir. On est limité à 20. Donc ça c'est une information à garder en tête. Non, j'ai perdu tous mes échos de sang. Oh non, j'ai tout perdu. Quand tu vas la deuxième fois, tu perds tous les échos de sang que t'as fait depuis le début. Ah, j'ai fait tout ça pour rien depuis le début, à part que j'ai récupéré les objets. Ils sont je crois, gardés. Ah, ça y est, ça... En plus, on n'était pas mort une seule fois, et là, j'ai voulu rusher. Rusher, ça marche pas non plus, donc on rush plus maintenant. Bah. Maintenant, quand on meurt, on pleure. Hein. Ah. Bon, on va juste essayer de récupérer là, mais ça va être trop compliqué. 2000, on avait quand même. On avait 2200. Putain, j'avais bien avancé, c'est juste que j'ai voulu... j'ai stressé, j'ai voulu récupérer mes échos, et je suis mort. Voilà. Et voilà, on arrive au moment où le stun commence. Ah c'est ça, bon j'ai 22 fioles et tout, c'est bien. Et puis les objets récoltés, ils sont gardés je crois, non? Ou faut les récupérer de nouveau les objets qu'on avait gardés là. Attendez, je vais regarder ça. Hop. Non, pas ici, hop. Ah bah tiens, hop, mieux pour nous faire chier évidemment. Ok. Ok, on va faire petit à petit, on va récupérer 500 échos de sang, on va récupérer une tenue déjà. Hop, hop. Ah oui, et les trois ils sont morts, non? T'es là, on les a tous gérés, là ça y est, on a un moment où on n'arrive plus à jouer, ça y est. Alors t'es là, on a joué comme un pro. Elle a bien géré toute la zone, et tout. Ah, oh, ça y est. Ça y est, on prend toutes mes fioles. Hop, allez. Voilà, merci beaucoup, bienvenue. Ok, on avance. On tape plus aux portes. Hein. Ah, il y a lui là qui a des échos de sang aussi. En haut, il y en a un autre. Il est où? Il est là. Il est caché là. Hop, hop, merci pour les échos. Regardez, il n'y a plus rien à récupérer. Hein. Je crois qu'on a occupé tous les objets, ça s'est conservé. Bah attendez, je sais qu'on va faire, regardez si j'ai encore les pierres de sang. Si j'ai encore les pierres de sang, c'est que c'est bon. Oui, on a récupéré les fragments, c'est gardé. Ok. On est pas mal. Hein. On est pas mal en termes d'objets, ça va. C'est cool. Hop. Ah, ils écoutent tant de tout à l'heure, tiens. On va de loin avec ça. Attends, je vais acheter la dernière tenue qui me manque et puis on va revenir là. Je vais chercher au moins la dernière tenue qui me manque et après on reviendra là et... Hop. Ah, c'est par là qu'il faut que j'aille. Non, c'est où je viens? Je viens de vous là, attendez, je suis perdu. Je viens de là? Bah attendez, j'ai un problème là. Ah oui, non, là, ok. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah bon, on va y arriver. Croyez en moi, non? Là, pas tout, c'est pour acheter des tenues. Après, on n'a pas besoin pour l'instant vraiment des objets, etc. Là, j'ai à 864, je voudrais au moins avoir les 4 tenues, quoi. Après, si on va acheter d'autres armes, ce serait cool. Histoire qu'on puisse collectionner tout ça. Ça, si on a une arme qui avantage sur un autre type d'ennemi, ben, au moins, on a ce qu'il faut, quoi. Pour les boss. Hop. Allez. Oui, bien sûr. Un ennemi aussi bidon que toi, tu me fais autant de dégâts. On y croit tous. On est tous sur la même pluie, hein, évidemment. Allez, hop. On monte en haut. Alors, en haut. Voilà, on va aller dans la zone des rêves, dans le quartier des rêves, là, je sais pas comment on appelle ça, la rêve de chasseur. On va aller chercher la dernière tenue qui nous manque, je crois que c'est les gants. Il nous manque les gants de Yarman et après on a tout ce qu'il nous faut. On a toutes les tenues après. On sera bien.
On sera prêt pour aller d'avancer de l'avant, aller de l'avant. Hop. Matt qui est parti prendre un petit bain. Hein. On est jaloux hein, de Matt. Hein. Merci Matt hein, d'être, de nous avoir fait rêver là, en allant à la mer ou à la piscine, là, je sais plus. Je sais plus parti où, il est parti à la mer ou à la piscine. Poupée, elle parle pas la poupée pour l'instant. Pas encore. C'est trop tôt pour la poupée. Hein. Alors on va acheter. Bon, pas acheter que ça. À partir de maintenant, il faudra qu'on conserve nos échos de sang jusqu'à la fin. Donc on est parti. On est parti pour conserver. Hop, on va s'équiper du dégant à l'extérieur. Et puis on est parti pour avancer. Hein. On est parti pour tout refaire jusqu'au boss. Je sais pas où le boss d'ailleurs, mais on va jusqu'au boss. Peut-être qu'on peut arrêter avant et qu'on pourra aller réveiller la poupée là pour qu'elle nous aide. Je sais pas. Il y a quelque chose avec la poupée, mais je sais plus quoi. J'ai plus de souvenirs. Je me rappelle, il y avait un souvenir avec la poupée. Quelque chose d'incroyable. Je sais plus trop. Allez, carapace de fantasme vide. Cette carapace vide, l'invertébré serait le familier. Ok, merci beaucoup. Ok, on va à la droite. Merci pour les sons, Top Fighter. Ah! Ok, on va esquiver ça. Hop! Nice! Voilà, très bien. On va reprendre de l'avant, allez. On va reprendre tous nos retards là qu'on vient de perdre là bêtement. J'espère qu'on aura le temps de tout rattraper avant la fin du live, ce serait cool. Il y aura moyen normalement. Si je vais assez vite et que je traîne pas trop. Hop. Esquivons. Là pour l'instant on esquive. Voilà. Une chose à la fois. Hop, on esquive. On s'occupe du monsieur bouclier. Ah ouais. Ok, un coup il est mort. Voilà, non. Ok, on l'a eu. Ok, on les a tous eu. Le gros là-bas, on s'en fout. Non, on va aller tout droit. Tu fais du bootband jusqu'à quelle heure tu penses? Minimum 20h30, maximum 21h. 20h30 à 21h maximum. Ça dépendra de mon avancement, si je peux sauvegarder à ce moment-là ou pas. Surtout par rapport à ça que je me base. Alors si je peux sauvegarder à ce moment-là et que je suis dans un passage, je peux pas sauvegarder, bah, je continue quoi, de finir ce passage. En question. Donc voilà, c'est à peu près la réponse à la question, je pense à vous. Mais j'avais pas live trop tard en plus, parce que j'ai live hier 12 heures quand même. Donc je vais faire quand même des un peu plus courts mes lives là, aujourd'hui, demain. Et lundi, je liverai pas, je pense. Lundi, je ferai un repos. Et peut-être mardi, je liverai un petit live. Parce que je vais aller chez mon frère, je pense, mardi. De nouveau. Quand c'est une dernière. Ok, on descend. Ah non, on descend pas. Ah, attendez, il y a des ennemis là. Intéressant. On a des échos de sang. Ok. Hop. Hop. Allez, viens. Voilà, on l'a eu. C'est bon. Lundi, c'est férié. Oui, je sais. Lundi, c'est férié. Je sais, c'est bien. Ah, peut-être mardi alors, ouais. Je verrai. Peut-être que je l'arriverai pas mardi et que je l'arriverai pas mercredi non plus. Ou faire un petit live mercredi ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais, peut-être live lundi aussi, peut-être. On verra ça. Ouais, je sais que c'est férié, hein. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Hop, on me soigne. Hop, ok. Ok, excusez-moi. Ok. Ok, non, ces enfoirés par contre là, non, je rigole pas là. Là, vraiment, ils sont relous. Pas possible ça. Non. Ah, ils font chier. Vraiment. Le bon petit week-end de 3 jours. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, je travaille pas donc ça va. Je suis en week-end de base. J'ai bientôt reprendre le boulot donc de toute façon. Allez, ça commence déjà à me fatiguer le jeu là. Allez, vas-y, il va m'énerver. Ouais, t'étais bloqué, mais ouais, là t'es que sa fourche là, il a cru que j'étais quoi, il a cru que j'étais une paille de foin. Je sais pas, le gars, il a cru que c'était du foin, il fallait ramener dans un truc de fumier, je sais pas, il est chelou le gars. Ah,
Ah, j'espère que je vais pas perdre des échos de sang, parce que j'en ai besoin un peu plus tard, des échos de sang en plus. Ah, bien sûr, ah ouais. Mais oui, mets-moi le... Incroyable, ce jeu est incroyable. Ah, il va m'énerver, ça y est. Oh non, mais arrêtez, mais... Ils étaient nuls tout à l'heure, ça y est, les mecs, ils ont quoi? Ils ont fumé un joint, ils sont chauds. Ah. Et lui, il meurt même pas, hein, évidemment. Lui, c'est immortel, quoi. On l'appelle dans le milieu immortel, le... Ça y est, je commence à rager. Ça y est, je commence à rager sur du jeu, incroyable. Évidemment que ce jeu est incroyable. Putain, j'espère que je vais pas perdre des échos de sang, je suis dégoûté. Ils sont là-bas, mes échos de sang! J'ai oublié lui! Ah, j'ai oublié ce monsieur. J'ai oublié qu'il était là. Yeah! De toute façon, c'est le jeu de la rage, hein. Bah ouais, bah non. Il fallait bien que je râle. Un petit peu. J'ai été bloqué en bas, il va falloir que je suis d'en haut en premier. Il arrive de saut en haut. Ah, il est bien. On retourne premier. Tant mieux. Allez, prochain. Prochain. Allez, venez à la chaîne. Hein. N'hésitez pas. Allez, venez. Venez. Hop. Il y en a qui est mort, évidemment. Hop. Hop. Ah, non, non, pas toi. Ok. Ouf. Mais là, il fait un coup, ça sert à rien. Hop, voilà, c'est ça que j'adore. Alors j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié d'équiper les gants. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux en termes de résistance, déjà. Mais sa fourche, il m'a fait mal en plus, c'est ce qui me tire dessus et tout. Allez, hop, je suis là. Coucou. Ok, on me tire dessus, ça y est. Je tire dessus. Vas-y, viens me tirer dessus, mon poteau. Je peux pas le toucher d'ici, il est trop loin. Ok. Ok, je le tue en premier, lui. Il m'en bat les couilles. Hein. C'est lui qui me fait chier, là, me tire dessus tout à l'heure, là. Mais c'est quoi de sang? Mais c'est quoi de sang, ils sont où? C'est un ennemi qui les a. C'est un ennemi qui les a. Quand on voit pas les échos de sang, c'est un ennemi qui les a récupérés à notre place. Ok. Qui a mes échos de sang? Rendez-moi mes échos de sang. Qui les a? Il est en haut, il est en haut, je l'ai vu, il brillait les yeux bleus. Il y a les yeux bleus, il y a les échos de sang. Ah non! Mais regardez, il y a un problème! Il y a un problème, le jeu est bugué. Non, il est pas bugué, mais on fait semblant qu'il est bugué, comme ça je rage pas pour rien. Il est bugué. On fait une fausse rage, on fait semblant qu'il est bugué, les gens. Oh non, il est bugué, oh non! Regardez, il y a des chiens, ils étaient pas tout à l'heure, ils sont là maintenant. C'est quoi, ils ont entendu burger, ça y est, ils viennent, je sais pas. Oh non, mais non, mais arrêtez, les ennemis arrivent partout. C'est incroyable ce jeu. Franchement, incroyable. Il n'y a pas plus incroyable que ce jeu. Non, non, arrêtez, j'appelle la police. J'en ai marre. J'en ai un peu marre là. Ok, écoute, sans récupérer. Oui, merci. J'ai dit n'importe quoi quand je suis énervé. Hein. Vous l'avez remarqué, j'appelle la police, tout ça. C'est quand je suis énervé. Quand je stresse, surtout. Ok. Bam. Bam, allez, venez là. Venez, messieurs, avec les fourches. Non, mais arrêtez avec vos fourches. Ils sont buggés, les fourches, là, c'est pas possible. Allez, ça commence à m'énerver. Hop. Voilà, le ménage a été fait. Voilà. Je me pose deux secondes. Il peut pas me toucher, il peut pas me toucher, il est trop loin. Il peut pas me toucher, il est trop loin. Normalement, il peut pas me toucher, il est trop loin. Ok, go. Allez hop, on se remet à la normale. Allez, viens voir mon poteau. Voilà. En bas, il y a un truc à récupérer, tiens, je vais voir ce que c'est. Ok, il part, il part. Non, c'est bon, j'affronte plus les ennemis là. Puis moi, ils servent à plus rien, les trucs. Ah, dommage, c'est intéressant qu'il a dépassé les 6 minutes, je pense, Street Fighter. Et comme mon bot, il a limité à 6 minutes parce qu'au début, j'avais fait ça. Après, je sais pas si j'ajouterai une commande pour en mettre plus ou pas, je vais voir. Ah, dommage. Ça va peut-être intéressant. Ou à moins que moi je peux le mettre. Attends, j'essaie de te le mettre, Too Fighter. J'ai pas pensé tout à l'heure pour ma save qui était passée, qui avait fait ça. J'essaie de te l'ajouter. Voilà. Allez, je le mets, regarde. Ben Alex, il en profite que tu mets des listes de musique depuis tout à l'heure pour que tu la mettes.
Ça, tu pourras la mettre. Allez. Ok, plus rien à récupérer, c'est bien. Le gros kill, j'affronte pas. Hein. Vous dites dessus les gens. Par contre, il faut que je sois en train d'ouvrir une porte ou une grille là pour avancer. Parce que là, ça commence à être compliqué. Hop, on vient de disper. Oh, ils font mal hein, les corbeaux. Hein. Ah, moi, je savais pas que c'était si mal que ça en fait. Ok, ils sont morts. C'est gentil, mais y'a pas de soucis, Top Fighter. Bah, attends, c'est. Putain, tu mets des musiques, pour une musique un peu plus longue, c'est pas dérangeant du tout. Au contraire, ça fait plaisir de fou. C'est toi qui mets des sons depuis tout à l'heure, pour une messe, si ça dure 8 minutes. Bon, ça aurait été une demi-heure, j'aurais dit bon. Bon, 8 minutes, c'est bien, ça va. Il faut au moins pour entendre un peu de son. Ça, c'est bien. Merci encore d'ailleurs pour les sons que tu mets. Ok, on va avancer. Alors. C'est la musique qui a un bug de son ou c'est mes écouteurs? Parce que j'ai cru que mes écouteurs ne marchaient plus d'un coup. J'ai un problème de l'oreille gauche. Eh bien, viens voir le Don Alex. Regardez là-bas, il y a la famille Adams. Hop, voilà la famille Adams. Comment je la règle? Bah de rien, ça fait plaisir, merci beaucoup. Hop, hop. Allez, Rasputin. Hop, hop. Rasputin. Y'a pas moyen de... Y'a pas moyen d'aller en haut là et de déverrouiller une grille quelque part là parce qu'on va affronter les chiens de l'enfer là. J'ai pas envie de les affronter en fait. Y'a pas moyen s'il vous plaît qu'on ouvre une grille quelque part. Ouais, mais tu dis qu'on allait aller là, on aurait pu ouvrir une grille, vous voyez, même pas. Ok, attendez. Non. Y'a pas une grille à ouvrir, c'est bizarre quand même. On est d'accord que c'est bizarre qu'il n'y a pas de grille à ouvrir. Peut-être plus loin. Par ici, peut-être. Je passe quoi si on va là? Attendez, je vais tester. On va peut-être pouvoir avoir une grille, les amis. Je fais des tests. Ok, donc là, c'est une erreur d'avoir été là, non? On peut plus en aller en arrière en plus. Ah bah incroyable. Quand tu es ici, c'est obligé d'aller plus loin. Mais à quoi ici? Oh non, je suis obligé d'aller en bas. Oh non. Oh non, il y a plein d'ennemis en plus. Oh non, je n'aurais pas voulu aller là. Ah, il y avait une échelle plus haut. Oh non, bordel. J'espère pas prendre des dégâts. Ah bah si, je prends des dégâts. Ah merde. Oh non. Bon, on va éviter de mourir hein, les gens. Hop, hop. Bonjour monsieur. Eh, c'est une créature qu'on n'a pas encore vu ça. C'est qui lui? Hop. Ok, des fioles de sang, c'est bien. Ok, il y a une échelle là-haut, on va la prendre. Hop, attendez. Attendez, on va prendre l'échelle de là-haut, on va voir ce qu'il y a. Ok, s'il y a ici. Ah, rien. J'espère qu'on va pouvoir progresser quand même. Hein. Ok, on monte tout en haut. L'échelle et hop, 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 hop. Alors peut-être qu'il se cool là-haut. Allez, Jean. Vous en pensez quoi, vous? Hop, on va grimper à l'échelle, on va voir. Tout... Merci encore pour les sons, The Fighters, vraiment. Merci beaucoup à toi. Ça fait vraiment plaisir de mettre les questions. N'hésitez pas. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. Attends, je peux casser tête des cercueils ici. Ok. Ok, très bien. Y'a pas d'histoire de grille alors. Attendez, quand on descend, on arrive. Oh, ok, on arrive ici. Ok, ce serait plus loin là-bas qu'il y aurait une grille. Ok. On va faire le truc souterrain en premier et après on ira sur le pont. Mais mémoire, c'est mieux de faire comme ça. Hop, on perd un peu de vie ici. Ici aussi. Mais bon,
Il y a des gros rats en bas, regardez les gros rats là. Ouh, ils sont dégueulasses les rats. Ouh, ouh, les créatures vilaines. On va éviter d'accumuler les créatures par contre. On va essayer vraiment de rester dans les mêmes zones. Pour éviter qu'on ait pas trop d'ennemis à affronter et qu'on meure bêtement. On va s'occuper de lui là-bas, je crois. Peut-être pas, attendez. Après, on va encore plus bas. On va essayer d'aller plus bas après. Ok, on va affronter lui. Ok, viens voir, mon pote. Ok, il fait mal. Ok, il fait très très mal. Ok, très bien, c'est une créature qui fait mal. Ok, on va essayer de la tuer en un coup. Il est mort? Non! Il est pas mort, il est en bas, il est pas mort. Ok. Ok, on descendra à l'échelle et on va tuer les rats aussi. Alors, on s'occupe de lui en premier, après les rats. Mais attendez les rats, je viens d'arriver! Mais... bordel, j'arrive en bas, il y a des rats qui m'attaquent. Ok, il y a beaucoup de créatures. Ok, c'est le bordel. Ok, c'est le bordel. Ok, il va falloir que je gère la vie et tout. Ok. Ok, je vois le genre d'ennemis que c'est. C'est des relous. Ok. Attendez, parce qu'il y a beaucoup trop de rats. Faut qu'on élimine les rats en premier. Parce que les rats, ils vont me faire chier en fait pendant ma game. Ok, faut esquive lui là. Ok. Ah, il m'a touché. Non, il va me tuer. Ils vont me tuer, ils vont me tuer. Faut que je récupère. Ok. Ok, il va mourir. Voilà. Merci pour les fioles. Ah, c'est bien les fioles. Les fioles, c'est bien ça. C'est ce qu'il me fallait. On va voir au bout là-bas s'il n'y a pas des trucs, des récompenses, etc. Comme ça, ça s'accumulera. Oh non, d'ailleurs, ça s'accumule les récompenses. Allez. Non, les rats. Ils vont me tuer. Mais non, mais pas les rats. Si les rats me tuent, ce serait con. C'est des rats, quoi. C'est pas des créatures très puissantes. Master. Merci, vraiment merci pour les musiques, j'aime bien les musiques que tu mets, Toad Fighter. Merci beaucoup pour les sons, avec plaisir. Hop. Donc on prend un peu de repos, allez. Merde, il y a les rats ici, ils sont morts. Ah, ça fatigue ça, je confonds les rats morts et les rats vivants. Hop, ok. Ok. Bonne nouvelle là. Ah! Bonjour monsieur! Comment vous allez? Il fait beau aujourd'hui, hein? Attendez. Regardez qu'on va le tuer, lui. J'ai trouvé la tactique. Hop! Bah alors, monsieur! On n'avait pas touché le Don Alex? C'est incroyable, hein? Oh! Chapeau de chasseur! Une tenue de chasseur entière! Tiens, on va regarder si c'est plus puissant que ma tenue actuelle. Ah, on a quand même occupé quelque chose d'important. Non! Elle est pas meilleure. Elle est pas meilleure, mais moi, ça aide la collection. C'est de la collection, c'est cool. Alors comment on va plus bas du coup là? Comment on se rend plus bas? J'ai oublié une échelle peut-être quelque part, non? Comment on se rend plus bas? Comment on va plus bas? Je comprends pas. Il y a un problème là dans nos calculs là. On peut pas aller plus bas. Enfin on meurt si on saute plus bas, non? Oh, j'ai pas envie de prendre le risque. Et c'est parce qu'on se rend plus haut, tiens. Ok, c'est ce qu'on va faire, je vais sauter là. Ok. En fond. Je prends les risques, hein. J'aime bien. On a un risque, hein. Autant en prendre le plus possible. Ok. Ok, y'a rien. Y'a rien pour l'instant. Ce sont les cadavres. Ils sont pas bons. Ok, y'a des zombies. Ok, on remonte. On prend pas de risque pour l'instant. On réfléchit à une stratégie. On va voir s'il n'y a pas un raccourci quelque part, histoire de pouvoir... se revenir ici en cas de problème, peut-être vers là-haut. On va aller voir là-haut, tiens. J'ai l'impression de qu'en haut c'est bon. Il y a beaucoup de cadavres, t'as vu ça, beau? Il y a pas mal de cadavres. Pas simple. Master. Ok. Ok, à gauche à quoi? Attendez, faut que je reconnaisse les lieux. Hein. Ok, allez, ok, il y a des corbeaux de mes couilles là qu'on va tuer. On va voir à droite ce qu'il y a en premier. Du coup de corbeaux, tiens. Comme par hasard. Le retour des corbeaux attaque. Des cornèbres. Des cornèbres. Ou corbox, pour ceux qui voient Pokémon. On va appeler ça les corbox. Enfin, référence à Pokémon. Il y a un gros ici, ok. Il y a une porte là, tiens.
En tout cas, la porte. Toc, toc, toc. Misérable étranger. Et après, il dit quoi? Attends, je suis sûr, le gros derrière, on s'est jamais vu qu'il me casserait les couilles, là. Ok, l'échelle pas loin. Ok, très bien, très bien, très bien. Allez, on va essayer d'avoir le gros. L'attaque! Ouh, là, le gros, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Oups, et voilà. Et ben voilà, notre comment le battre, le gros, maintenant. Il me fera plus chier. N'inquiétez pas, il me fera plus chier. Je sais comment le battre. Et ben voilà. Voilà, on a ouvert un raccourci. T'as bien beau. Ah bon, on a géré, regarde. Notre raccourci. Ok, c'est où ça? Ah, c'est ici. Ah, nickel. Bon, c'est nice. Ouais, bon, on avance. Je vais sauvegarder, tiens. Je vais sauvegarder, je vais retourner là-bas et comme ça, si jamais il y a un souci, on va sauvegarder. Attendez, pour sauvegarder, il faut que j'aille par où? Ouais, mais grave. Non, je suis trompé de touche. Non, jeu de merde. Hop. Ok. Et on en finit avec lui. Un dernier coup. Oui. Merci pour les GG, Todd Fighter. Bon, ça va. On prend notre temps, mais on avance. On avance quand même petit à petit. Le soulagement. Mais c'est trop ça en vrai, Abo. En vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avance dans le jeu, j'ai fait une étape du jeu. Bon, on a un raccourci supplémentaire, on va pouvoir retourner ici. Ah, ça on n'avait pas récupéré ça la dernière fois. Non, on peut récupérer ça. Putain, j'ai un problème avec une bras droit, hein. Vraiment, j'arrête pas de bouger ça en live, c'est toujours ça. J'ai des douleurs à chaque fois et c'est tout le temps comme ça. Et... faudrait voir le docteur pour voir ce que j'ai. C'est... enfin, je sais ce que j'ai, hein. C'est... voir si je peux pas le soigner autrement parce que j'ai... c'est chiant en live de toujours bouger le bras. Vous voyez souvent bouger le bras en live, pour ceux qui me connaissent pas, et c'est toujours ça. C'est un problème que j'ai depuis longtemps. Depuis que je suis petit, j'ai un problème à mon bras droit. Et du coup, c'est gênant, par moment. Bon, c'est pas la mort. Hein. C'est un grave. Ah, encore une... t'as Todd Fighter qui nous a mis une... le kiné, j'en ai fait du kiné à beau, mais ça n'a pas suffi. J'ai fait du kiné, mais j'ai le problème avec le kiné, c'est que le kiné m'a dit... il m'a dit qu'après c'est à moi de gérer ça tout seul dans mon coin tous les jours. Mais bon, si après j'ai retravaillé, j'ai pas eu le temps non plus. Après, pas tant non plus, hein. Pas tant non plus. Ouais, ben, je te conseille vraiment, hein, Todd Fighter Bloodborne. Hein. En vrai, je passe des bons moments là-dessus, hein. Moi, je rage, mais la rage, c'est normal, c'est Bloodborne. Qui rage pas sur Dark Souls et Bloodborne? Tous les streamers sont rageux un peu sur... même... enfin, ils ragent sans être trop voilà. Enfin, comme moi, quoi. Ils essaient de rager en gardant le self-control au minimum, quand même. C'est ça qu'il faut faire. Hop, du sauvegarder. Enfin, une petite sauvegarde. Rage sur ces jeux, c'est juste la base. Voilà, rager sur les jeux, c'est juste la base. C'est des jeux qui demandent de la rage, de toute façon. Alors, attendez, on va acheter des trucs, parce que j'ai beaucoup d'argent, là. Qu'est-ce que je peux acheter, tiens? On l'a pas eu ça? 1000! Ah! On va prendre ça! Intéressant! J'ai équipé ça de suite même! D'ailleurs, ça fait une sauvegarde, et en plus, on a une nouvelle tenue. On a la tenue de Yarmarn! Alors attendez, oh oui, on a la tenue chasseur aussi, j'ai pas fait gaffe. On va prendre la tenue de Yarmarn, qui est mieux. Voilà, regardez! Ça, c'est une belle tenue, ça, au début du jeu. On a vraiment le truc parfait. Allez, on retourne au centre de Yarmarn, et on va essayer d'avancer tranquillement. Vers le pont qu'on a vu tout à l'heure. Quand tu te retrouves bloqué, ça m'énerve. Ouais, c'est ça. Non, même pas, on va pas avancer vers le pont. Je pense qu'on va avancer autre part. Quoique, je sais pas. On va sur le pont ou pas? Je suis en train de poser la question. Quand tu te retrouves bloqué, ça m'énerve. Ouais, c'est ça. Après ça, moi je connais un peu le jeu aussi. Bon, là j'ai plus le souvenir du début. Après, il y a des trucs qui m'ont tilté, genre. Des boss ou des passages qui vont me rappeler des souvenirs. J'ai fait ah oui, ça que j'avais fait à ce moment là il faut faire ça. Bon là on va faire toutes les créatures qu'on a vues, hein, donc ça va être magnifique. Mais sauf qu'on va couper au raccourci. Et oui, au raccourci on coupe. Donc là on avance enfin
comme il faut. Bonjour monsieur, je viens chercher le loyer. Hop. Allez, le loyer est mort. Non, c'est tellement satisfaisant quand tu réussis un truc sur lequel tu... sur lequel tu passes trop de temps à la délivrance. Oui, voilà, c'est ça, beau. C'est ça. Mais vraiment. Là, tout à l'heure, je me suis dit, c'est bon, là, c'est la délivrance, quoi. Hop. Allez, on avance. On va prendre le grand bâton. Bonjour, la réunion. Je viens casser l'ambiance. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'occuper du Don Alex? Regardez ça. Hop. Ah non. Je m'en fous. Je vais lancer l'attaque. Je vais tuer le maximum possible comme ça, vous allez voir. Ils vont pas me faire assez de dégâts. J'ai une armure très puissante sur moi maintenant. Mais oui, c'est ça. Fais-moi des dégâts. Je sais pas qui t'as à faire, mon pote. Je crois que tu sais pas encore qui est le Don Alex. Ah, moi je prends des risques, hein, vous avez vu les gars. C'est comme ça en vrai qu'il faut avancer sans prendre des risques, hein, de toute façon. Bloodborne, c'est un jeu, faut pas hésiter en vrai. Si t'hésites, t'es dans la merde. Parce que pendant que t'hésites, bah, tu sais que tu vas mourir parce que t'auras trop hésité pour rien. Faut vraiment y aller, hein. Tu dis si tu le sens, tu le sens, tu vas. Si tu le sens pas, bah tu vas pas, bien sûr. Hop. Hop, regardez là par exemple, je sens que je vais mourir, je vais quand même soigner, utiliser une fiole. Sauf que je pense que derrière, je vais récupérer dans pas longtemps. Regardez là, je vais récupérer une deuxième parce que je vais encore mourir. C'est un peu con de perdre tous mes lums. Je pense que c'est comme dans Rainman, j'allais dire les lums, c'est. Non, pas les lums, les échos de sang. Ok. Hop. Allez, tout le monde est mort. On a fait le ménage. Hop. Hop, hop. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup d'être passé. Le courrier vous était livré. Bon, allez, on va aller continuer. On va pouvoir prendre le raccourci, hein, à mon avis, les amis, je pense. On va passer par le raccourci, ce sera peut-être mieux pour vous. Comme ça, on pourra pouvoir continuer ce qu'on faisait sous les égouts, là. Lui, on dit que c'est suicidé, quoi. Ah ouais, c'est les sons en vrai qui sont gérés par rapport aux ambiances. Là, j'entends les sons différemment. Non, on a rien à faire ici. Faut aller là. Alors ici, on a ouvert la grille tout à l'heure. C'est là qu'on va aller. Ah, à la fenêtre, on peut parler à quelqu'un? Oui, tiens, on va parler à Anderson. Bon, j'espère que vous voyez ce qui est écrit, etc. Ouais. Trouver l'air de la fillette, allez. Oui, oui, on voit, oh, c'est nickel. Ma maman porte une broche avec des pierres rouges. Oh, un gros broche. Une grosse broche très belle, vous la reconnaîtrez. Oh, bah, on va aller voir la maman. On va aller voir la maman. Et évidemment. Allez, on y va. Petite boîte à musique. Oh, elle joue une chanson préférée de papa. Ok. Faut retrouver la maman de la personne. Bonjour, monsieur le gros. Hop. Je suis pas venu pour me faire me tuer, par contre, je suis juste venu vous transmettre un message. Vous savez ce que c'est? C'est que je vous esquive déjà. Et que je vais vous faire du mal. Hop. Et en plus, tu es mort. Hop. Allez, hop. Ah, il croit qu'il allait m'avoir, lui. Il connaît pas le Don Alex. Regardez, je le transporte en plus, tellement qu'il est léger comme une plume en vrai. Ok, il faut qu'on aille en bonne. Ah, il faut qu'on aille en bas. Il y a quoi par là? Tiens, on avait vu, ouais, il y a pas grand chose, je crois. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a loupé ici? Je regarde un petit peu. Attends, je récupère de la vie. Hop. Ah, les corbeaux. Hop. Hop. On a fait du mal. Nice. Hop. Et aussi, il est mort. On est bon. Il est quelle heure là? 20h16. Okay. Ça marche. J'essaie d'avoir un raccourci encore. Ça veut dire pas mal. Et après, on verra ce qu'on fait. Donc on va aller voir là-bas, tiens. On va aller voir les tunnels, là, et tout ça. Tout ce qu'on n'a pas encore pu explorer depuis tout à l'heure. Ah, là-bas, il y a un chemin, tiens. On va peut-être aller voir là-bas, ce qu'il y a, tiens. Là-bas, par là-bas, ouais. Ici, là. Ah, intéressant.
Est-ce que vous voyez bien le jeu, tout ça? Oui, je pense que oui, je regarderai le retour. Est-ce que tout ce qui est au niveau du jeu est bon, très bon? Je pense que tout est bon. Ah merde, j'ai pas le truc. Je sais pas, il y a un bug. Bon, je pense que ça doit être bon. Hein. Ah, une échelle pas loin. Une échelle, Oui, oui, tout est nickel. Ah, mais merci à Abo. Ah, Abo, regardez. Hein. Quand il y a Matt qui est pas là, Abo, elle fait la modo remplaçante. Abo, c'est la modo remplaçante en fait. Elle vous l'a pas dit, mais je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, tiens, Abo sera la modo remplaçante quand Matt y est pas là. C'est toi qui remplace Matt. Merci beaucoup, Abo. Merci vraiment pour tes retours. Ça me va. Ah, c'est un rôle facile, hein. Faire les retours, etc. En tout cas, toi qui aimes bien en plus Bloodborne, en plus ça tombe bien en plus. Je sais que t'es à fond dedans. Hop. Hop. Allez, venez, bande de salarats, là, les scélérats. Ok. Ok. Bye bye. Hop. Bon. On va aller voir plus loin. Regardez, là, il n'y a pas de modo en plus. C'est triste. Il n'y a pas de modo présent. Enfin, on va plus Abo qui est. Qui est aussi. Qui connaît la modération. Enfin, tu connais la modération en plus, toi. T'es modo chez Matt. Chez Monsieur Matt in Games. Je suis à fond dedans et ça fait un moment, donc je suis content que je redécouvre le jeu. Ah, bah, c'est un plaisir que tu puisses redécouvrir vraiment Abo. Et puis moi, quand tu m'as dit que t'aimais bien le jeu, j'étais content qu'il y ait un viewer ou une viewer qui dit qu'il aime bien le jeu et que je fais le jeu et que ça intéresse vraiment quelqu'un qui va surkiffer le jeu. Ça m'a encore plus envie de le faire en vrai. Je dis pas que j'avais pas envie de le faire, hein, au contraire, j'avais envie de le faire, mais ça m'a encore plus envie. Oui, c'est vrai que je me suis perfection. Ah, par contre, quand t'es modo ici, il y a James Sax qui va t'embêter après. Donc, ce serait, tu vois, le James Sax, ça va faire que t'embêter. Y'a Matt qui va te faire chier aussi, il va te taquiner. Ça va pas être une tâche facile, c'est ça le truc. Hein. Avec Matt et James Sax déjà. C'est quoi qui se cache toi? Ah, c'est un corbeau. Ah, on avance bien là, regardez, on a fait le tour là. On va pouvoir aller voir ce qu'il y a là. Ah, mais moi, Bloodborne et Dark Souls, c'est vraiment mon truc. Ah, mais c'est, tu te comprends, j'aime bien moi aussi en vrai. Alors, en plus, on en a pour un moment sur le jeu. Hein. On aura fini, je pense, Zelda Majora's Mask, on n'aura pas fini le jeu. Je vous le dis. Hein. Donc on a un moment pour ce jeu. Hein. Je pense que ça va être le jeu le plus long maintenant. Mais je saurais résister aux deux, je suis pas une fille qui se laisse faire. Ah, c'est bien ça. En plus, il y a Yuna en plus en mode Ophi ici. Donc ça va, il y a une... C'est-à-dire, il y aura un équilibre masculin-féminin. Même pas peur, voilà. Et puis Yuna qui sait te soutenir, Yuna elle soutient. Elle soutient facilement. L'ami Yuna. Ok, on a fait le ménage. On a fait le ménage. Ça c'est bien ça. Bon, je pense que je vais continuer jusqu'à ce que j'ai un moyen de sauvegarder, etc. Je vais vraiment pas tout recommencer, je serais dégoûté. On va faire attention à ce qu'on fait, on va prendre notre temps les gars. Quitte à mettre encore une heure de jeu, au moins on prend notre temps et on avance comme il faut pour pas faire de conneries. C'est ça, il faut prévoir des gros lives quand il y aura du Bloodborne, je prévoirai 3 heures de live sur le jeu, comme ça on aura le temps de bien avancer et pas stresser. Ok, plus rien à faire là-haut, hein. On a tout fait je crois. Y a pas d'échelle, rien. Hop, si vous avez quelqu'un a vu une échelle qui hésite vraiment pas à me le dire. Allez. J'aime bien ce son, hein. J'aime bien ce son. Merci à Toad Fighters qui met tous ses sons. Oh non, le raid du Docteur Pargo. Il nous raid encore le Docteur, il nous avait raidé, il nous raid de nouveau. Et salut tout le monde et merci le raid du Docteur. J'espère que tu vas bien mon cher Docteur Pargo. J'espère que t'as passé un très très bon live. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui, je sais que tu as fait du Overcook. Est-ce que tu as fait d'autres jeux? J'espère que c'est un plaisir de te voir. Et salut tout le monde, salut Cursor Dwar, Cursed Ware, salut Esper Mage, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de love à vous.
J'espère que vous allez bien, bienvenue chez Don Alex, bienvenue tout le monde. Et salut mon cher DV, j'espère que tu vas bien mon cher DV, c'est un plaisir de te voir, beaucoup de love à toi mon cher DV. J'espère que tu vas bien. Oh, l'ancien thème d'entrée de cette Rollins, ça, ah ouais, ah oui, ça c'est j'adore cette alerte, elle est bien faite pour un raid, je trouve. C'est un bon son d'ambiance et tout. J'espère que tu as passé un très bon live, Docteur Pargo. Attendez, est-ce que là il y a du SO? Il y a du SO, déjà. On va faire le SO pour le Docteur Pargo qui fait beaucoup de bons jeux. C'est le plaisir de son soutien. Donnez beaucoup de love au docteur chez lui, ceux qui ne le connaissent pas. Il est vraiment super gentil, il fait beaucoup du rétro. Il fait des jeux récents aussi. Il fait du Warcook récemment en multijoueur. Nous, on a fait une coopération ensemble il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à lui donner du love. C'est un ami de la chaîne, un des plus grands amis de la chaîne. Oui, c'était vraiment cool, on a fait du Overcook et des petits vieux en multi. Ah, ça fait plaisir que t'as pu faire des vieux avec des vieux streamers, des viewers entre eux. Merci DV pour ton hébergement, j'espère que tu vas bien. Et je vais faire le SO justement pour toi DV, mon cher DV, qui est aussi streamer et que c'est un ami aussi streamer que j'adore beaucoup personnellement. Moi j'adore beaucoup DV et il le sait, je donne beaucoup de love à mon cher DV. Donnez beaucoup de love vous aussi de votre côté à DV, il le mérite. Il fait Assassin's Creed Odyssey. Il fait du Hut Showdown par moment aussi. Je sais pas s'il fait d'autres jeux aussi. N'hésitez pas à lui demander de votre côté, en privé, ici, sur sa chaîne. N'hésitez vraiment pas. J'espère que vous passer un bon live avec le Docteur Pargo, je pense que oui. Hein. Ah mais de rien DV, hein. Au plaisir du SO. J'espère que vous allez bien. Et puis ben, bienvenue à tous. On fait du Bloodborne, non, on est en pleine concentration depuis tout à l'heure. On essaye de commencer. On a commencé Bloodborne aujourd'hui, c'était le nouveau jeu du jour, le nouveau jeu de la chaîne. Et Middle Earth Shadow of Mordor. Ah, la terre du milieu, l'ombre du Mordor. Ah, ça c'est un bon jeu. Je vous recommande du coup ce jeu. Donc DV, il le fait actuellement. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir mon cher DV qui fait ce jeu actuellement. N'hésitez pas vraiment, mais vraiment, à donner du soutien et du love à DV. Beaucoup de love à lui. Regardez, je lui donne du love à DV. Hop. Bon, nous on était sur Bloodborne. On était en train de chercher. Comment progresser parce qu'on tourne en roue depuis tout à l'heure. J'ai Abo qui m'aide beaucoup pour le jeu, qui connaît un peu le jeu et qui est là pour me soutenir aussi, qui redécouvre en même temps. Donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est là pour soutenir pour ce jeu. C'est un jeu très très dur en plus, et quand tu meurs bah tu recommences très très en arrière. Je vais manger Alex, mais je te laisse ma vue, merci le docteur. Enfin quand tu reviens je serai peut-être plus là. Puisque je pense que dès que j'ai bien avancé là j'arrêterai le jeu. Encore un petit peu. Et merci beaucoup mon cher Pargo pour ton raid. Et merci à tous d'être là chez moi. Grâce au docteur et à sa multitude de love qu'il nous donne sur la chaîne. Et bonne soirée tout le monde. Je pars pas. Je me suis fail. Bonne soirée le docteur si on se recroise pas. Et puis à très très vite à toi. Beaucoup de love mon cher docteur Pargo. Et puis bon appétit, évidemment. Régale-toi. Bon miam miam. Hop. Allez les amis. Nous on continue la progression de mon côté pour ceux qui viennent d'arriver. On va continuer la progression tout doucement mais sûrement. Bon. On a fait toute la salle qui est ici. On va aller voir l'autre côté maintenant. Du coup, j'allais dire un truc. Ouais, par contre, plus sérieusement, je dis comme ça maintenant pour pas oublier. Je t'enverrai un petit MP après, d'ailleurs, Abo, tu verras. Je vais t'enverrai un petit MP. Alors, attendez. Hop. 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 Ah oui, non, on va éviter les cadavres, hein, je pense. Attendez, je sais pas si on va les affronter, ces cadavres, là. Hop. En plus, ils sont très très bas, là, pour les frapper, ça va pas être facile. Hop. Ah, ils font mal en plus. Ils font très très mal. Ok, très bien. Hop, ça laisse peu de champ de tir. Ah ouais, vraiment, ils sont très très bas. Est-ce qu'on les affronte vraiment, les cadavres? On s'en fout en vrai des cadavres. D'accord, avec ça, Alex, il n'y a pas de soucis. Je t'envoie un petit MP après le live. Ou alors, peut-être dans l'autre... Enfin, tu verras. Peut-être... Je vais m'organiser. Tu verras. Simplement, tu verras. Il est mort lui? Ok, il est mort. Ok, on avance. Pas facile, hein, ce passage. Hop. En plus, DV qui aime bien Assassin's Creed, bah, tout à l'heure on a fait une tier list Assassin's Creed, DV. Si tu veux, j'ai l'air aux diffusions, si tu veux regarder. On a fait une tier list et j'ai classé mes Assassin's Creed dans un ordre précis. Oula, il y a un truc qui vient de spawn là, non? Ah oui, un corbeau. Ok, attendez, vous cul du corbeau là. Le corbeau, je veux le tuer. Hop. Ok. Ok, il y a du corbeau qui tombe. Ok, il y a du corbeau qui tombe. Incroyable.
Ça va être magnifique ça. Ah ouais, non, il y a lui, j'ai oublié lui. Ah non, il y a lui là-bas là. Alors lui, c'est une créature de merde. Je vous dis, les amis, lui, c'est une créature de merde par contre. Et après. Et mettez du son d'ailleurs, son request, les points d'exclamation SR. N'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas à mettre les sons que vous aimez et que vous voulez mettre. Vraiment. Ok. Alors attends, y'a quoi sur le pont? Y'a du monde. Y'a du monde sur le pont. Oulala. Je vais aller prendre l'ascenseur en premier. Oulala, y'a beaucoup de trucs à faire ici, attendez. C'est un bazar. Mais pas en état de fonctionnement. Ah, on est obligé de prendre le pont. Très bien, on est obligé de prendre le pont. Hop, y'a pas la boule qui va tomber là, quelque chose? Je sens le piège arriver. Hein. Hop, on prépare. Allez, on les attaque. Voilà. Ok, la boule qui arrive, on esquive. Ok, on a tué une. C'est le mec de tout à l'heure, le gros qu'on avait affronté là, qui nous avait cassé les couilles. Et juste là. Hop. Là, il faut que je fasse un truc aussi, j'ai une pensée là. Hop. Bonjour le gros. Hop. Ah, il m'a touché. Ah, il m'a touché. Ok, attendez, attendez, faut que je réfléchisse à une stratégie là. Ok. Ok, on l'a eu. Hop. Ok, fou. Ok, on les a eu. On les a eu tous les deux, on a géré. J'espère que tu vas bien, mon cher DV. Ça me fait plaisir de te voir. Je t'avais vu, enfin, je t'avais croisé tout à l'heure chez le doc. Le doc Pargo, l'ami streamer, le doc. Et du coup, bah après, je suis parti entre temps. Ok, moi je pense qu'on va baisser la hache. Voilà, on va la réduire en deux. Ce sera déjà pas mal. On va aller voir là-bas, tiens. Est-ce qu'il y a une porte à ouvrir, s'il vous plaît? Ah, encore un des trucs d'égout. Pas très bon signe, ça. Hop. Alors, dites-moi qu'il y a un raccourci, s'il vous plaît. Oh purée. Il y a deux créatures que j'aime pas là. Allez go. Hop. Allez. Faut que je les gère les deux là. Ils sont chiants en plus. Ok ok ok. Ils m'ont cassé les couilles. Ils m'ont cassé les couilles. C'est qu'ils vont peut-être me tuer. Donc on va faire attention. On va faire attention à ce qu'on fait. Ok. Fou. Hop. 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 Esquive. Hop. Voilà, on les a eu. C'est nice. C'est nice, nice, nice. Marc le chasseur. Oui, c'est bien ce qu'on a eu là. On a eu une belle récompense. Ça me dit quelque chose, ça. Je crois que c'est une belle récompense qu'on a eu là. Alors, il y a quoi là-bas? Oh, oh non. Non, 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 je vais pas là. Je sais ce que c'est. Non, je vais pas là. Alors là, sûrement pas. Non, 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 non. Je reconnais le lieu. Ça m'a parlé. Je vous expliquerai d'autres fois, les amis, pour ceux qui savent pas ce qu'il y a ici. Ah non, 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 je vais pas là. Sûrement pas. C'est l'enfer. Non, non, je vais pas là. Je vais descendre en bas, mais je vais pas là. Cet endroit. Ah, toi aussi, t'as reconnu, Abo. Et mettez du son gris quoi si vous voulez, les amis. N'hésitez vraiment pas. Faites comme si c'était chez vous. Bon, mettez pas du shampoing Paul Gaultier, coup de Chico, ça, ça passe pas. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez à part ça. N'hésitez vraiment pas, les amis. J'insiste. N'hésitez pas à mettre ce que vous voulez, tant que c'est dans le raisonnable, du raisonnable, simplement. Alors, attends, y'a quoi en bas? Ah, y'a une porte, tiens. C'est peut-être ce bon signe, ça. C'est peut-être bon signe, la porte qui est là. Ok. Ok, ici, on est où? Go, go, go. On saute. Non! C'est le rip! Oh non! Oh non! Ah ouais, bah là, beau, 3 petits points, 4, 5, 6 points là même. Bon, pour les échos de sang, c'est pas grave, mais bon, j'ai pas de raccourci du coup. J'ai aucun raccourci pour aller là. Ah, c'est le bon gros rip! Et là, c'est pas un mini rip, hein. Là, c'est le méga rip de la mort. Hein. Ah, pour aller chercher les échos de sang, ça va être possible. Oh. Bon,
Il est 20h31, il faut pas qu'on va on va continuer. Hein. Il faut pas qu'on va aller, on va arrêter là. On va arrêter là. Bon, on refera ça. Ne t'inquiète pas, beau. Si tu connais ce jeu, on a géré un maximum. On a récupéré tous les objets secondaires. Donc, on n'a pas. On a une trajectoire précise à aller maintenant. On sait ce qu'il faut faire. Donc, non, on perd pas les échos de sang si je vais sauvegarder de suite. Donc, ils seront encore dans la map. Je vais les sauvegarder. On ira chercher les échos de sang d'une façon ou d'une autre. Ouais, ça va être compliqué là pour les échos de sang. Bon, c'est pas fini, c'est pas la mort, mais. Là, on va dire qu'il y a Anguille sous roche. Ah, il faut que j'arrête là, les amis. Ouais, voilà, bah y'a pas de soucis, je sais quoi faire. De toute façon, vous me rappellerez ceux qui seront là. Bah, inquiétez pas, hein, j'ai pas, c'est pas du rush kill d'y aller arrêter à son vers ces heures là. Enfin, c'est un petit peu, un peu de rush kill quand même. Hein. On va dire la vérité. Check mon seuil, histoire que je se sauvegarde, voilà, hop. Bon, on va se laisser là, ça fait 3h30 de live. Le mois d'octobre, vous arrêtez ici, mais bon, on va aller raid quelqu'un aussi. Je vais vous ramener moi à mon tour chez quelqu'un. J'essaie de vous ramener chez quelqu'un. Ouh, mais c'est qui? On va aller voir, je crois, attendez. On va peut-être aller voir. J'hésite entre trois streamers. Même deux plutôt. J'hésite entre MC et. Il finit en combien de temps l'incognito le live? Il est temps de voir la suite. Ben, on va reprendre ça la semaine prochaine, en début de semaine ou milieu de semaine. Mais Inco, il va pas arrêter les noms, il va lancer son live. On va aller voir l'incognito, les amis. On va l'envoyer un raid chez l'incognito. Donc, les amis, on se retrouve demain sur un petit live vers 17h, 18h, je pense, fin de journée. Et salut à toi, Sylang. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Du love à toi. Bah, tu arrives à la fin du live. On est actuellement sur Bloodborne et on allait raid un ami streamer. Et puis, bah, bienvenue quand même sur la chaîne. On fait du Bloodborne ici. On fait du Majora's Mask. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver, on fait du Bloodborne, du Majora's Mask. On fait du Guacamelee, on fait plein de jeux, donc n'hésitez pas si jamais vous aimez tous ces jeux. Et nous on va aller raid l'incognito les amis, au passage, Incognito TV, qui est un ami streamer super sympa. En tout cas merci à tous pour avoir été pour ces 3h30 de live. Je lance le raid mais on va pas partir de suite là-bas, hein, inquiétez pas, on va aller faire un autre truc avant, on va aller voir le planning par exemple. Ce serait déjà pas mal, faire un petit tour sur le planning. Allo Kaz, mais y'a pas de soucis Sylang. Je sais pas si je le prononce bien, si c'est Sylang ou Sylang. N'hésite pas à me rattraper si je fais une erreur sur ton pseudo. Du coup, je mets le planning. Alors la semaine prochaine, j'ai mis quoi comme planning? Alors pour regarder. Alors oui, le planning de la semaine prochaine, on regardera demain. On regardera demain, on va laisser la semaine comme ça. Parce que je l'ai pas modifié, j'ai oublié d'enlever Minecraft Donjon. Bon. Ouais, chez Linko, donnez beaucoup d'amour, Linko est super sympa, c'est un super streamer, il est super gentil, c'est un ami de la chaîne, il est actuellement en train de faire du Resident Evil Outbreak, c'est mon deuxième live dessus, donc bonne soirée à tous, merci d'avoir été là, vous étiez beaucoup aujourd'hui, encore une fois, live d'hier, pareil, merci encore pour le live d'hier, une dernière fois. N'hésitez pas aussi à voter pour le prochain Ratchet & Clank sur la chaîne, je ne rappellerai jamais assez cette commande, et on va chez Linko. Allez, merci à tous, c'était le Don Alex, je vous donne beaucoup d'amour et beaucoup de love, vous le sachez ici, vous êtes les meilleurs, et puis à très vite tout le monde. On part sur du Ghostbuster en plus, ouais, écoutez ça. T'as pas monté le son du Ghostbuster là? T'as pas vu le son de la PS4, voilà. Allez, dans 10 secondes chez Linko, ciao tout le monde, et des bisous tout le monde, vous êtes les meilleurs. Merci encore pour tout votre amour et vos subs, vos raids, merci beaucoup. I'm afraid of